Bien, mes chers collègues, nous reprenons, nous ouvrons plutôt cette journée d'audition avec Monsieur Emmanuel Puiset-Jauvin, secrétaire général des Affaires européennes. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre aux questions de cette commission d'enquête, plutôt d'ailleurs en fin de processus de travail, puisque vous le savez, nous avons commencé nos travaux à peu près au milieu du mois de septembre, c'est-à-dire il y a pas mal de temps et il y a déjà pas mal de journées et de centaines d'heures d'auditions qui se sont écoulées depuis lors. Placé auprès de Madame la Première ministre, le Secrétariat général aux Affaires européennes est chargé d'assurer la coordination interministérielle des Affaires européennes afin de garantir notamment la cohérence des positions de la France au sein de ces différentes instances et lors des discussions avec la Commission européenne. Notre commission d'enquête a entendu, vous le savez, tous les ministres chargés des transports depuis 1995, lesquels nous ont indiqué avoir eu des échanges avec la Commission sur des sujets qui nous intéressent ici, à savoir l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire d'une part, les plans de redressement de fret SNCF d'autre part, mais aussi les plaintes adressées contre cette entreprise par des concurrents à partir de la fin des années 2010, et enfin la procédure d'enquête approfondie qui s'est ouverte au mois de janvier de cette année. Vous avez la particularité par rapport aux autres intervenants, et quelle que soit leur qualité, d'avoir des échanges extrêmement réguliers, continus et fréquents avec la Commission européenne. Je dirais même que c'est l'objet principal de vos missions. Je dis principal parce qu'il y en a d'autres, bien évidemment. Et vous êtes par ailleurs, votre parcours le montre, un parfait connaisseur des institutions européennes. On n'arrive jamais tout à fait au secrétariat général aux affaires européennes par hasard, et c'est plutôt rassurant que ce soit le cas. Votre témoignage nous sera donc précieux, à la fois pour préciser le cadre général de ces discussions et pour retracer la chronologie, le contenu de ces échanges, à la fois avant l'ouverture de l'enquête approfondie, puisque vous avez pris vos fonctions en juillet 2022, je crois. Donc vous avez vécu finalement une période de quelques mois avant cette ouverture d'enquête approfondie et échange ensuite après cette enquête approfondie, notamment pour construire le plan de discontinuité. Et nous serons évidemment intéressés de repartager avec vous la philosophie de ce plan de discontinuité et l'évaluation que vous faisiez et que vous faites du risque qui courait sur Fret SNCF au cas où une telle décision n'aurait pas été prise. Il est important pour nous de comprendre en effet ce qui a conduit à ce scénario de discontinuité, qui, de l'avis de tous les responsables français que nous avons entendus, est une solution de moindre mal. Je dis bien de l'avis de tous les responsables français que nous avons entendus, hormis peut-être des responsables syndicaux et un ancien ministre des Transports, est un moindre mal pour éviter une sanction qui serait disproportionnée pour l'opérateur public français de fret ferroviaire. Je vous laisserai la parole, Monsieur le Secrétaire Général, pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes, puis nous poursuivrons nos échanges sous la forme de questions et de réponses que j'ouvrirai. Ensuite, je passerai la parole à Monsieur le rapporteur et aux collègues présents. Je précise, mais vous le savez, que cette audition est retransmise sur le site de l'Assemblée nationale, elle est par conséquent enregistrée. Et je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose à l'ensemble des personnes auditionnées par une commission d'enquête, il n'y a d'exception précisément que pour les fonctionnaires européens pour des raisons que vous connaissez d'immunité, mais quelle que soit leur qualité, y compris la Première ministre, vous le savez puisque vous l'accompagniez lors de son audition, sont tenus de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité devant la commission d'enquête. Je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire distinctement, je le jure. Je prends acte de ce serment, je vous en remercie et je vous donne tout de suite la parole, comme je le disais, pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette audition et de préciser effectivement le rôle qui est celui du secrétariat général des affaires européennes. Je me dois à titre liminaire simplement de préciser que, en vous priant de bien vouloir m'en excuser par avance, car vous entendrez certainement un certain nombre d'idées et arguments que je crois dans le cadre de cette commission vous avez déjà entendus.
Et je ne le dis pas seulement parce que de hautes autorités se sont exprimées bien avant moi, la Première ministre le 19 septembre, vous l'avez rappelé, le ministre M. Clément Beaune le 13 de mémoire, mais aussi parce que le rôle du SGAE, ça me permet effectivement d'en dire un mot, vous avez eu l'amabilité de l'évoquer, en tant que service de la Première ministre, son rôle, c'est de travailler à faire émerger une position française sur l'ensemble des questions européennes. Le quotidien qui est le nôtre consiste à envoyer des instructions à Bruxelles, pour être très clair, sur l'ensemble des textes, alors ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je le précise néanmoins, l'ensemble des textes législatifs qui sont en négociation en permanence à Bruxelles. Et la singularité de ce système, et je dis singularité parce qu'on observe que ce système n'existe pas partout, du tout, dans l'Union européenne, à mes yeux, le grand avantage de pouvoir réunir très rapidement et l'ensemble des acteurs ministériels concernés par un sujet. Et que donc la diversité des points de vue, absolument essentielle pour arrêter une position qui, nous l'espérons, est la meilleure possible, cette diversité peut se faire pleinement entendre. Le corollaire de cela, c'est que naturellement, en lien avec la représentation permanente à Bruxelles, puisque nous sommes en lien permanent avec elle, c'est d'être en contact très régulier, vous l'avez dit, avec les institutions européennes. C'est particulièrement vrai avec la Commission européenne, compte tenu du rôle absolument cardinal que les traités lui ont confié. Elle a le monopole de l'initiative législative, donc concrètement c'est elle qui produit les propositions, et donc elle a un rôle très structurant dans la vie législative de l'Union. Et s'agissant des questions qui vont nous occuper plus particulièrement pendant cette audition de concurrence aide d'État, comme vous le savez, elle dispose, au terme des traités, qui ont tous été signés et ratifiés, d'une compétence propre, d'un pouvoir de décision propre. Alors que sur le reste des sujets législatifs, comme il est toujours utile de le rappeler, elle ne fait que proposer. Et ce sont ensuite les États membres au sein du Conseil, et dans quasiment tous les cas, le Parlement européen comme co-législateur, qui adoptent des propositions qui, sans cette adoption, resteraient lettre morte. Donc le SGAE a ce rôle important qui se déploie donc dans le champ de toutes les politiques européennes et pas seulement en matière d'aide d'État. En ce qui concerne les aides d'État, et donc particulièrement le dossier fret SNCF que nous évoquons aujourd'hui, donc nous jouons un rôle d'interface parisienne, pour le dire de cette manière-là, avec donc l'ensemble des ministères concernés. Et donc très concrètement, dans le traitement de ce dossier au niveau des services, nous avons beaucoup travaillé avec la DGTIM, naturellement la Direction Générale des Transports, des Infrastructures et des Mobilités, bien sûr aussi l'Agence des Participations de l'État, je crois que vous avez auditionné les deux directeurs, et en lien constant, comme je le disais, avec la représentation permanente, dont la raison d'être est d'être au quotidien au contact des institutions, puisqu'ils sont géographiquement au même endroit. Le rôle de ces administrations, et cela vous a été expliqué par messieurs Thierry Coquille, Alexis et Sagen Weber, c'est vraiment d'alimenter sur le fond la substance du dossier, et dans le cadre d'une stratégie qu'ensuite on définit tous ensemble, évidemment sous contrôle politique. Cela va de soi. Et Bruxelles, donc, étant l'interface bruxelloise. Ça, c'est pour poser le cadre de ce qu'est le SGAE, qui existe depuis 1948, et qui permet de structurer la parole française, pour le dire de cette manière-là, qu'ensuite nous diffusons à Bruxelles, dans l'ensemble des enceintes, Commission, Conseil, Parlement européen, et donc aussi à Strasbourg, pour ce qui est du Parlement européen. Peut-être, comme vous m'y avez invité, je peux, s'agissant du dossier, retracer rapidement les différentes étapes de ce dossier, et en particulier, si vous m'y autorisez, à compter du moment où j'ai effectivement pris mes fonctions. Puisque vous avez eu la gentillesse de le rappeler, moi j'ai été nommé le 25 juillet en Conseil des ministres, j'ai pris mes fonctions au cours du mois d'août, et très rapidement, effectivement, on m'a parlé de ce dossier, que je ne connaissais pas. J'ai rapidement organisé des réunions avec l'ensemble de mes collaborateurs au SGAE pour qu'ils m'expliquent quelle était la nature de la difficulté. C'est là que j'ai compris qu'il y avait eu des plaintes déposées dès l'année 2016
sur la question. Il y en a eu d'autres par la suite, en 2018, et je crois également une en 2019. Et c'est là que j'ai compris aussi qu'il y avait déjà eu, depuis un certain nombre d'années, des échanges nourris avec la Commission européenne, que d'ailleurs la décision qu'elle a prise le 18 janvier dernier retrace fidèlement, comme vous l'aurez probablement vu. Ces échanges, ils étaient de nature d'abord, comment dirais-je, ils avaient d'abord pour objet d'informer la Commission, qui avait beaucoup de questions à poser, de la renseigner en quelque sorte sur l'ensemble des aspects de ce dossier, beaucoup de questions éminemment techniques, et nous nous sommes employés à apporter ces réponses-là, qu'évidemment nous ne pouvions pas produire nous en tant que SGE, puisque nous coordonnons simplement, mais notre responsabilité était ensuite répondre formellement à la Commission. Échange, très nourri depuis plusieurs années. Et il y a eu un effet de pause lié à la crise pandémique, de toute évidence, et d'autant que cette dernière a beaucoup impacté, comme on le sait, le fret ferroviaire, comme l'ensemble de nos secteurs d'activité économique. Et à ce moment-là, on s'est bien rendu compte, pendant toute cette période, je n'y étais pas moi-même, mais c'est ce que j'ai pu retracer, qu'il y avait de la part de la Commission beaucoup d'interrogations sur l'existence potentielle d'aides d'État. Et elle a posé un certain nombre de questions pour arriver à se faire une idée sur le sujet. La ligne constante des autorités françaises a été de contester l'existence de cette aide d'État et de plaider que les transferts intra-groupe SNCF constituaient le fait d'investisseurs avisés visant une stratégie, une rentabilité de long terme. Là aussi, la décision adoptée le 18 janvier fait droit à l'ensemble des arguments que nous avons pu produire pour tenter de convaincre la Commission sur l'ensemble des différents chapitres, la question de l'investisseur avisé, bien évidemment la question de l'imputabilité à l'État, qui n'était pas évidente du tout. La question aussi de la prise en compte des exigences environnementales que nous n'avons pas manqué de faire valoir. Le fait est que nous n'avons pas réussi à convaincre la Commission. Sinon, elle n'aurait pas décidé d'ouvrir cette enquête approfondie le 18 janvier dernier. Ce que moi j'ai senti dans mes fonctions, dans mes responsabilités, à la faveur d'échanges parfaitement informels que je pouvais avoir non seulement avec les acteurs français que j'évoquais, mais aussi des rencontres informelles avec la Commission, c'était que le risque d'une ouverture d'une enquête approfondie devenait de moins en moins théorique. Bien sûr, tout cela était parfaitement informel. C'était une analyse exclusivement fondée, relevant exclusivement de la Direction générale concurrence. Je crois que vous avez auditionné le directeur général. Ça n'est pas du tout la même chose d'ouvrir une enquête approfondie. C'est une décision qui, pour le coup, relève de la Commission. On change complètement de dimension. Mais je sentais qu'il y avait... et sans doute était-ce le cas déjà avant que je n'arrive, mais moi, prenant connaissance de ce dossier, je me suis rendu compte de cela, ce qui m'a amené à poursuivre l'analyse qu'on avait portée jusqu'à présent, consistant à essayer d'éviter cela. Je crois que le ministre Beaune vous a clairement expliqué qu'on avait fait beaucoup d'efforts en ce sens, que l'État s'est beaucoup battu pour empêcher cette ouverture, avec tous les arguments que j'ai évoqués. Il ne s'en est pas moins produit ce que nous savons, c'est-à-dire que le 18 janvier dernier, la Commission, et donc pas simplement la DG Concurrence, a décidé d'ouvrir formellement cette enquête approfondie. Et avec les points que vous connaissez bien, qui sont clairement reflétés dans les écritures de la Commission, une Commission européenne qui ne dit pas il y a aide d'État, elle est illégale, il faut la récupérer. Non, ça c'est l'objet de l'enquête, mais qui fait état des craintes qu'elle nourrit, je crois que c'est le mot qu'elle emploie, des craintes sérieuses qu'elle a à ce sujet. Et précisément, l'objet de l'enquête approfondie est de vérifier si ces craintes sont fondées ou pas. C'est l'objet même de l'enquête. Et vous savez que la Commission s'interroge sur trois points en particulier. Les avances de trésorerie effectuées par la SNCF au profit de fret SNCF depuis 2007, dont le montant est estimé à 4,3 milliards, l'absence de transfert à fret SNCF de sa dette financière pour 5,3 milliards,
par voie législative en 2019 et l'injection de capital de 170 millions d'euros à l'occasion de la transformation de Fret SNCF en société commerciale. Donc exposition maximale théorique située à 5,3 milliards d'euros, comme nous savons, soit un montant, dont je crois qu'on peut s'accorder à dire qu'il est insoutenable pour Fret SNCF, en cas de demande de remboursement. Alors cette enquête, en moyenne, elle dure entre 18 et 24 mois. C'est évidemment variable en fonction de la complexité du cas. L'appréciation de là où semble être la commission, mais encore une fois, je le dis avec prudence, puisque ce sera l'objet de l'enquête, qu'elle le précise et qu'elle le confirme, c'est que le risque est sérieux, que la commission considère in fine qu'il s'agit bien d'aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur. Donc au lendemain du 18 janvier, nous faisons face à une alternative qui s'énonce assez simplement, en fait, qui est complexe sur le fond, mais qui s'énonce simplement, c'est soit ne rien faire, soit faire quelque chose. Ne rien faire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire attendre que la commission rende sa décision, espérer qu'elle constate in fine qu'en fait c'est à tort qu'elle a pu émettre des doutes sur l'illégalité de l'aide d'État ou sur l'existence même d'une aide d'État. Mais évidemment, la commission qui ouvre une enquête approfondie et qui ne le fait jamais tout à fait par hasard, il est permis de penser que la décision risque d'être négative. Certes, on peut se dire qu'une décision de la commission, c'est un acte juridique faisant grief, donc il est par définition attaquable et qu'on pourra aller devant la Cour de justice. Néanmoins, elle est d'application immédiate, cette décision. Donc, quand bien même, ensuite, devant le juge, et donc dans un délai qui, là aussi, ça oscille à peu près dans le même délai, oui, la Cour de justice rend normalement ses décisions dans un délai en moyenne d'un an et demi, quand bien même nous obtiendrions gain de cause, en tout état de cause, le mal, en quelque sorte, aurait été fait, puisque l'aide aurait dû être récupérée. Et, évidemment, rien ne nous permet de savoir ce que la Cour pourrait être amenée à dire. Sachant que, je le dis aussi, dans les éléments que nous avons convoqués pour peser le pour et le contre, il y avait aussi la situation d'immédiate incertitude, qui aurait résulté d'une situation consistant à dire « ne faisons rien », en quelque sorte, dire à la commission « nous prenons acte de l'ouverture de votre enquête approfondie, mais rendez-vous devant le juge », situation d'incertitude immédiate qui aurait eu, nous semble-t-il, tous les effets négatifs, notamment s'agissant des clients, qui ne sont par définition pas captifs, avec toutes les incertitudes sur l'activité de l'entreprise, l'effritement de sa clientèle, qui a par définition besoin de visibilité, de grandes incertitudes aussi pour les salariés, etc. Donc elle était tentante, cette solution. Elle était tentante, on le voit bien. Mais il nous est apparu qu'elle n'était pas, je crois que c'est le terme que le ministre a employé, qu'elle n'était pas responsable. Donc nous, en tant que service administratif, nous avons travaillé à documenter cela, même si la décision a été évidemment prise par nos autorités politiques. C'est cela qui nous a amené à regarder l'option alternative consistant à faire quelque chose, et en réalité il n'y a pas là, l'état du droit européen est assez clair, la seule option dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la discontinuité, dont vous entendez parler depuis le début de cette commission d'enquête sur laquelle donc les travaux elle a été évoquée à maintes reprises, tout simplement parce que la jurisprudence est très claire, il y a des cas qui existent, le cas bien connu d'Alitalia, le cas bien connu aussi de la SNCM. On sait bien que la seule manière de garantir que l'entreprise concernée ne soit plus jugée redevable de la dette, de l'aide d'État illégale, du remboursement de cette aide d'État, c'est de pouvoir constater au moment où la commission rend sa décision, eh bien, qu'il y a eu une transformation suffisamment significative de l'entité pour qu'on puisse constater que la discontinuité, au sens juridique du terme, est constatable. Elle s'apprécie sur la base d'un faisceau d'indices. Je crois que là aussi, vous avez déjà eu, à la faveur des différentes auditions,
des éléments précis. J'y insiste néanmoins pour expliquer que même s'il y a des principes par définition communs, issus de la jurisprudence, que la Commission a elle-même détaillé ensuite dans des lignes directrices, il y a toujours... Nous ne sommes pas dans une application mécanique où on subordonne tous les cas à une règle. Non, on prend en compte la spécificité de chacun des cas. Et pour le dire d'une manière différente, un schéma de discontinuité, ça se construit en fonction des circonstances spécifiques du cas dont nous parlons. C'est par exemple cela qui nous a amené à considérer, et évidemment il appartiendra à la Commission de nous dire ce qu'elle en pense, mais qui nous a amené à considérer que nous pouvions procéder à un transfert du chiffre d'affaires, un renoncement du chiffre d'affaires à la hauteur de 18%, chiffre que vous a rappelé dans son audition la Première ministre. Alors que l'application plus basique de droit commun, aurais j'ai envie de dire, c'est que pour, c'est d'ailleurs du bon sens avant d'être du droit, c'est de considérer que il faut aller jusqu'à 50%, ce qui paraît assez logique. Et d'ailleurs c'est ce qui avait été retenu dans le cas d'Alitalia. Donc nous avons construit ce schéma de discontinuité avec beaucoup d'arguments permettant d'étayer cela, et notamment le fait que, naturellement, dans cette affaire, ça n'était pas la seule préoccupation, mais elle était évidemment majeure, éviter toute forme de report modal inversé. Et nous sommes raisonnablement confiants dans le fait que la Commission pourra in fine accepter cet élément-là, qui fait partie du faisceau d'indices que j'évoquais. Donc, cette construction du schéma de discontinuité, il a cherché à, fort de ce qu'est la jurisprudence, de la façon dont ensuite la Commission interprète cela en sa qualité de gardienne des traités, de voir comment on pouvait construire un schéma permettant que la future entité devienne suffisamment différente pour qu'il puisse y avoir discontinuité. Et dans le même temps, je pense que c'est très important d'y insister, nous avons tenté de tenir constamment l'exigence entre cette contrainte et la volonté qui est la nôtre de pouvoir maintenir le service et donc l'activité des salariés. Deux exigences justifiant de trouver et de maintenir un équilibre, mais dont on voit bien qu'elles peuvent entrer en tension, pour ne pas dire parfois en contradiction. Mais c'est cette ligne de crête-là qu'il s'est agi de construire au cours des derniers mois. Est-ce qu'on a donc des garanties de la part de la Commission en la matière ? Par définition, pas. Puisque cette dernière a ouvert une enquête approfondie qui s'achèvera, comme je vous le disais, dans un délai de 18 à 24 mois. Et évidemment, la Commission est soucieuse, et c'est bien normal, de mener son enquête en toute indépendance pour objectiver clairement les choses. Mais il nous semble qu'avec la copie que nous avons construite, et sur la base aussi informelle soit-il d'échanges que nous avons pu avoir, que en présentant le schéma, le ministre Monsieur Clément Beaune vous a indiqué avoir présenté le schéma à la vice-présidente de la Commission, Madame Vestager, nous avons, je crois que ce sont ces mots, une certitude raisonnable nous amenant à penser que lorsque la Commission rendra sa décision, elle dira probablement, on verra. En tout cas, c'est le soupçon actuel qui existe, qu'il y a bien aide d'État, qu'elle est illégale, qu'il faudrait donc la rembourser, mais qu'on constate qu'il y a discontinuité et qu'en conséquence, il n'y a pas à la rembourser. Peut-être puis-je, sans être trop long dans ce propos liminaire, insister aussi sur la volonté qui a existé du côté des autorités françaises de préserver donc un acteur de nature publique au cœur du fret français. Le groupe SNCF ouvre le capital des nouvelles entités qui seront créés à un ou plusieurs actionnaires minoritaires, vous le savez, qui détiendront un contrôle aussi de l'entreprise. Mais le groupe SNCF restera absolument majoritaire et ses activités resteront pleinement, comptablement intégrées au groupe SNCF. Je me permets d'y insister parce que je crois qu'au cours des différentes auditions, l'idée est apparue qu'en réalité, il y aurait eu une volonté de privatiser. Ça n'est pas le cas. Je peux le dire à la place qui est la mienne, ça n'a absolument pas été
Le dispositif qui a été envisagé n'a eu nullement pour objet, et je crois qu'il n'aura pas non plus pour effet, de procéder à ça. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que dans le schéma de discontinuité, cette ouverture du capital, elle est faite à de nouveaux actionnaires qui pourront être des entités publiques. Et c'est très clairement prévu dans le schéma de discontinuité. Enfin, bien sûr, mais d'autres personnes avant moi, dont la Première ministre et le ministre, se sont exprimées de façon beaucoup plus éloquente que je ne le ferai, vous rappeler qu'il y a évidemment l'ambition de soutenir la croissance du fret ferroviaire en France dans le cadre du Pacte vert. Je l'ai dit, en évitant le report modal inversé, et c'est tout le sens de la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire et des soutiens majeurs dont cette commission a été pleinement informée, que le gouvernement a décidé. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction à ces débats, donc en insistant sur le fait que oui, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a eu, et c'est notre raison d'être, merci de l'avoir rappelé, des échanges nourris avec la Commission, à notre niveau de nature parfaitement informelle, naturellement. Le seul acte formel du côté de la Commission, c'est la décision qu'elle a prise le 18 janvier, et le suivant, ce sera la décision qu'elle prendra à l'issue de cette enquête approfondie. Je m'arrête peut-être là dans ce propos liminaire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Quelques questions pour ouvrir le bal des échanges. Une première question qui porte sur les objets de reproche, j'ai utilisé un vocabulaire un peu galvaudé, mais que la Commission européenne formule dans le cadre de l'enquête approfondie. Vous êtes revenu sur ces trois niveaux d'aide publique qui sont visés par l'enquête approfondie. D'une part, les soutiens au déficit, plutôt les comblements de déficit opérés par le groupe public ferroviaire en faveur de fret SNCF pendant plusieurs années, à partir, je crois, de 2006-2007, de façon récurrente, qui méconnaissent le principe de l'investisseur avisé. D'autre part, la reprise de la dette de fret SNCF dans le cadre de la reprise de dette plus globale du groupe public ferroviaire par l'État, et enfin la procédure de recapitalisation, on peut l'évoquer comme ça, de fret SNCF au moment où elle a été créée sous forme d'une société anonyme. Car c'est bien sur ces trois aspects que porte l'enquête approfondie. Je le dis parce que nécessairement, les travaux que nous avons conduits, parce qu'ils comportaient une part très chronologique qui a consisté à retracer l'histoire du fret ferroviaire en France depuis le début des années 2000 et de son déclin, et donc d'établir ou pas, et c'est plutôt pas, des échanges que nous avons eus, un lien nécessaire entre la libéralisation et le déclin de la part modale, nous ont amené à regarder surtout le premier élément d'aide publique visé par l'enquête approfondie, à savoir le comblement du déficit par le groupe public ferroviaire de façon récurrente pendant plusieurs années. Mais en effet, l'enquête approfondie, elle porte aussi sur ce qui s'est passé avec la dette et avec la recapitalisation en 2019. Est-ce que vous diriez que ces décisions, à la fois de reprendre la dette de fret SNCF et de recapitaliser fret SNCF au moment où elle a été créée sous forme de société anonyme, ont accru le risque pour fret SNCF d'une enquête approfondie ou d'un durcissement de la position de la Commission européenne? C'est une première question. Par rapport au seul risque que faisait courir celui du comblement du déficit de façon récurrente depuis 2006-2007 par le groupe public ferroviaire. C'est ma première question, donc. Seconde question, vous évoquiez dans le cadre du plan de discontinuité, j'y reviens parce que ce lien est important, l'ouverture du capital à des entités ou à des actionnaires alternatifs par rapport à l'actionnaire de référence qui, bien sûr, est le seul aujourd'hui, mais qui resterait l'État. Pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure cette ouverture du capital fait partie du plan de discontinuité? C'est un fait, mais j'aimerais bien que ce soit mentionné de façon explicite. Et au moment où vous construisiez ce plan de discontinuité avec l'ensemble des partie française dans un dialogue avec la Commission, aviez-vous et avez-vous déjà en tête des actionnaires alternatifs, et si oui, à quelle hauteur?
C'est donc ma deuxième question. Troisième question, sur l'hypothèse d'un scénario de discontinuité. Alors, vous avez pris vos fonctions en juillet 2022, vous l'avez dit, et forcément, quand on est à la tête d'une institution, une part de continuité, et on est amené à répondre de manière un peu plus globale, à votre connaissance, à partir de quand et à l'initiative de qui est apparue pour la première fois l'hypothèse d'un scénario de discontinuité pour faire part ou pour essayer de protéger Fret SNCF contre le risque d'une condamnation. On dit cela parce que l'un des éléments que nous n'avions pas évidemment en connaissance au moment où on a commencé les travaux de cette commission d'enquête, c'est bien sûr ce rapport qui a été commandé à un cabinet d'audit pour évaluer cette solution en 2000. Alors, la décision de saisir un cabinet d'audit a été prise en 2019 et le rapport produit en 2020. Enfin, pour terminer, deux questions. L'une qui porte sur le raidissement de la Commission européenne. Finalement, vous êtes arrivé au moment où ce raidissement s'est produit. Dans vos services, comment a été compris, ou avec les interlocuteurs avec lesquels vous échangez, la DGITM, vous l'avez dit, notamment, comment a été compris ce raidissement de la Commission européenne face sur un sujet qui apparaissait comme un sujet récurrent de préoccupation, mais peut-être pas un sujet aigu de préoccupation pour les autorités françaises avant l'automne 2022. À quoi expliquez-vous ce raidissement soudain avec votre connaissance des institutions européennes? Puis dernière question, il a été ici évoqué à plusieurs reprises des projets de règlement européen qui pourraient concerner le fret ferroviaire directement ou indirectement. Là, j'évoque plus le travail en cours vous concernant, même si évidemment vous embrassez des sujets bien plus vastes que celui que nous abordons dans cette commission d'enquête. À votre connaissance, quels sont ces règlements qui pourraient faciliter, stimuler, développer le fret ferroviaire et qui sont aujourd'hui en discussion du côté des institutions européennes? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos questions. S'agissant de la première, concernant les trois niveaux d'aide apportée, je crois que, comme vous l'avez vous-même dit, les trois aspects sont très importants. La Commission, c'est ce qu'elle dit, elle était dans l'état d'esprit de, comment le qualifier, de la décision de 2005. Donc, comme vous le savez, en 2005, il y avait eu une aide à la restructuration de Fret SNCF qu'elle avait validée, avec un principe que vous m'excuserez d'énoncer en anglais, one time, last time, parce que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, dans son esprit, cela signifiait très clairement qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres aides d'État. Que c'était en quelque sorte, pour le dire de façon peut-être un peu schématique, une sorte de solde de tout compte. Et c'est ça qui l'a amené à considérer qu'il fallait remonter à une enquête à partir de 2007 en constatant qu'il y avait effectivement un comblement régulier de déficit de l'entreprise qu'elle interprète comme étant potentiellement constitutive d'aide d'État. Donc bien avant la question de la dette financière à laquelle vous vous êtes ensuite référé, il y a un sujet. C'est bien pour ça qu'elle revient à 2007. Ensuite, pour la Commission, il est évident que la question de la dette financière est un élément de plus qui s'ajoute au dossier et que, comment dirais-je, et dont elle traite, y compris au sens où elle considère que ça fait partie, de son point de vue à elle, des éléments qui permettent d'imputer cela à l'État. En se référant à la loi de 2019. Dans la décision du 18 janvier, elle répond encore une fois très précisément à ces différents aspects, en rappelant la jurisprudence de la Cour. Donc moi je dirais que, bien sûr, ça a été un élément supplémentaire, la question de la dette, et d'ailleurs il est expressément mentionné, mais ça n'est pas le seul dans l'appréciation de la Commission. S'agissant de l'ouverture du capital, je vous confirme tout à fait que ça fait partie des éléments composant le faisceau d'indices que j'évoquais tout à l'heure. On ne se fonde pas simplement sur un seul critère,
sur un seul élément, c'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder à l'esprit que, et j'aurais envie d'ajouter, si vous me le permettez, heureusement, une appréciation très précise, spécifique et pas mécanique et aveugle de ce que ça veut dire une discontinuité pour tel cas de figure par rapport à tel autre. Il n'y a pas une discontinuité qui ressemble à une autre, pourrais-je dire, même si par définition il y a des éléments communs. Donc oui, cette ouverture du capital, c'est un élément que nous jugeons nécessaire pour composer ce faisceau d'indices, mais comme je vous le disais, avec la forte volonté qu'elle puisse se faire avec des acteurs, des entités elles-mêmes publiques. Le point, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait, un contrôle exclusif, qu'il ne faut pas qu'il y ait un contrôle exclusif de la part du groupe SNCF. C'est ça l'esprit. Donc ça, quand on a construit le schéma, effectivement, c'est apparu sur le terrain plus juridique, pour le coup, à côté de la dimension économique, comme un élément permettant de bien documenter la discontinuité et d'espérer que la Commission, quand elle rendra sa décision, le prendra en considération. Pour ce qui est des idées que nous pourrions avoir sur les acteurs en question, là, c'est plutôt l'APE qui pourrait vous répondre que moi-même. Moi, je n'ai pas connaissance, à l'heure où je vous parle, d'idées particulières qui pourraient exister en la matière. Sur la question du moment où le schéma de discontinuité est apparu, je souhaiterais vous dire plusieurs choses à cet égard. Dans ma compréhension, effectivement, d'un dossier que je n'ai moi-même découvert qu'au cours du mois d'août dernier. La question de la discontinuité, je comprends qu'elle a été présente assez tôt dans les débats, mais d'une manière assez théorique, en fait. Tout simplement parce que, dans les discussions qui ont pu avoir lieu, l'État s'est interrogé sur l'intégralité des options, naturellement, tout en continuant, comme je vous l'ai dit, à mener le combat en essayant de convaincre la Commission qu'il n'y avait pas d'aide d'État en l'espèce illégale. Le schéma était sur la table, ne serait-ce que parce que c'est le schéma classique, encore une fois, vers lequel on se tourne lorsqu'on se pose la question de savoir quelle serait l'alternative à une décision que potentiellement la Commission pourrait prendre et pour éviter que justement il y ait cette obligation de récupérer l'aide d'État. Donc effectivement, il y a eu ce rapport McKinsey que vous évoquez. Moi, je dois dire que dans le cadre des fonctions qui sont les miennes, ce rapport, je n'ai jamais eu à en connaître. Et ça n'est pas, je vous parle de moi, hein, ça n'est pas du tout sur ce rapport-là qu'avec mes équipes, nous nous sommes fondés pour contribuer, dans le cadre de la coordination qui nous incombe, à bâtir le schéma. Mais le fait même qu'il soit survenu en 2019 montre bien que déjà, il y avait une volonté de regarder. Ce qui a changé fondamentalement, rendant le sujet moins théorique, c'est quand nous avons acquis de plus en plus nous avons eu de plus en plus le sentiment que la Commission pouvait ouvrir cette enquête. Ça, c'est certain. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, nous avons regardé aussi le sujet d'une manière qui était beaucoup moins théorique. Et c'est ce qui nous a permis de trouver un schéma de discontinuité qui a été présenté ensuite quelques mois plus tard par le ministre au mois de mai. Y a-t-il eu un raidissement de la Commission ? Je vois bien pour quelles raisons on peut avoir ce sentiment-là. Moi-même, j'arrivais, c'est vrai. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu en fait une accélération particulière du dossier. Il y avait un dossier qui était sur la table depuis en fait très longtemps, puisque les premières plaintes remontent à 2016. Et 2016-2022, c'est pas une accélération, c'est juste que la Commission a considéré que, malgré les échanges qu'on avait pu avoir avec elle, et après s'être elle-même fait une idée précise du dossier, puisque nous avons beaucoup renseigné à sa demande les questions qu'elle pouvait se poser, elle a estimé qu'il fallait désormais entrer dans une nouvelle phase.
et qui s'est matérialisé par le fait que elle a effectivement décidé ensuite d'ouvrir, ce qui encore une fois est une décision politique puisqu'elle est une décision prise par le collège. Sur votre dernière question concernant la situation du fret ferroviaire et ce que l'Union européenne peut faire. Moi, je crois que, effectivement, si on veut bien comprendre l'état dans lequel se trouve le fret aujourd'hui, je parle d'abord de notre pays, il faut bien objectiver les choses. Je sais qu'il peut y avoir un débat sur la question de la libéralisation, mais le fait est que quand on regarde les choses dans le détail, on se rend compte que ça n'est pas elle qui a provoqué le déclin du fret. Les chiffres sont là pour le montrer. Ça avait commencé bien avant l'entrée en vigueur effective des paquets ferroviaires, et en perdant, je crois, jusqu'à 30% de la part modale du fret ferroviaire dans le transport des marchandises entre 2000 et 2006. Ensuite, ça s'est stabilisé aux alentours de 10%, et depuis 2 ans, tout cela vous a été précisément exposé lors des différentes auditions, des précédentes auditions, sans dire que c'est suffisant, bien évidemment, mais on retrouve de la vigueur en la matière, et c'est une très bonne chose en tendant vers l'objectif des 18% d'ici la fin de la décennie. En revanche, je crois que ce que cela montre, c'est qu'il y a un besoin d'investissement considérable. C'est que le fret ferroviaire avait peut-être été trop la variable d'ajustement dans le passé. Bien sûr, il y a une corrélation avec la désindustrialisation que notre pays a connue. Et pour vous répondre, moi je pense que ce que l'Europe peut faire, c'est aider, et elle le fait en partie déjà, mais je pense qu'il va falloir continuer, à ce que ces investissements-là puissent être consentis dans le domaine du fret ferroviaire. Alors, il y a tout ce que nous avons porté dans le cadre du plan de relance européen, dans le cadre de France Relance, mais aussi du plan de relance européen, qui nous permet d'accompagner les investissements en la matière, notamment sur le terrain de la décarbonation. Mais c'est là qu'on rejoint tous les enjeux du pacte vert. L'énorme sujet que nous avons devant nous, après la négociation de ce pacte vert qui a vraiment été au cœur du mandat de la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen, c'est un enjeu de mise en œuvre considérable au cours de la prochaine mandature. Et cette mise en œuvre, elle supposera des investissements très importants. Et je crois que l'Union européenne, dans la diversité des mécanismes et des financements qui peuvent exister, bien sûr le budget de l'Union européenne, bien sûr le plan de relance que j'évoquais il y a un instant, mais aussi ce que fait la Banque européenne d'investissement, dont on parle pas toujours suffisamment, je crois, alors qu'elle a un rôle éminemment structurant grâce aux prêts qu'elle consent dans la vie économique de l'Union. Je crois que c'est un des enjeux absolument, absolument fondamentaux qui sont devant nous et qui pourraient constituer un des éléments forts de ce que l'on appelle les orientations stratégiques, qu'il appartiendra au Conseil européen en juin 2019 de définir et qui structure la vie et l'agenda de l'Union européenne. Merci beaucoup. Oui, deux remarques, et il y aura peut-être encore une question. La première, c'est que... C'est important parce que là aussi, les travaux de la commission d'enquête se sont beaucoup concentrés sur un de ces aspects, mais d'insister sur le fait que le plan de discontinuité tel que on en a eu les informations et la communication se compose au moins de 3 dimensions. On a beaucoup insisté sur la cession des 23 flux parce que c'est ce qui est le plus immédiatement visible et parce qu'on a beaucoup échangé ici à la fois avec des chargeurs, avec des entreprises ferroviaires et aussi avec les organisations représentatives du personnel. Mais les 2 autres dimensions sont bien à la fois la création de 2 entités, l'une qui se charge des trafics et l'autre de la maintenance. On y est assez peu revenu jusqu'ici, mais c'est un point important. Et l'autre, effectivement, cette 3e dimension, l'ouverture du capital à des actionnaires alternatifs dans une proportion minoritaire. Ça, je pense que c'est important que vous l'ayez rappelé avec autant de clarté, et je vous en remercie. Une deuxième remarque, et qui conduira à une question avant de tout de suite donner la parole à monsieur le rapporteur, très vite. Il y a une forme de paradoxe de voir que dans l'enquête approfondie, le regard porte aussi sur le sujet de la reprise de dette de fret SNCF,
alors que le raisonnement qu'a tenu le gouvernement en décidant de reprendre une grande partie de la dette du groupe public ferroviaire était aussi arrimé au fait qu'au regard des institutions européennes, cette dette pouvait être considérée comme une dette publique. Et donc on a un peu l'impression là d'une forme de serpent qui se mord la queue et d'injonctions contradictoires au regard des institutions européennes. Simplement une question quand même, le chiffre qui a toujours été évoqué comme étant celui qui vient matérialiser le risque pour Fret SNCF d'une condamnation, ce chiffre de pénalité potentielle, il est de 5,3 milliards d'euros, c'est celui qui est toujours avancé. Et c'est très exactement le montant estimé des aides publiques regardées comme indues, perçues pour venir combler le déficit de Fret SNCF de façon récurrente depuis la fin des années 2000 jusqu'en 2019. Pourquoi est-ce que dans l'évaluation de ce risque, dès lors que l'enquête approfondie porte aussi sur la reprise de la dette et la recapitalisation, pourquoi est-ce que le risque est seulement évalué financièrement au montant des aides publiques perçu entre 2008 et 2019, et pourquoi est-ce que ce risque ne comprend pas, du moins dans le chiffre qui est donné, de la condamnation potentielle, celui de la reprise de dette? C'est une chose qui n'est pas extrêmement claire, puisque la dette n'est pas dans ces 5,3 milliards d'euros. Moi, ma compréhension des choses a toujours été que le montant total des 5,3 milliards d'euros correspondait bien à l'annulation de dettes financières. En tout cas, c'est exactement ce que la Commission écrit. Et ce qui inclut, comme elle le précise elle-même, les avances de trésorerie précitées. Donc c'est... Et la Je ne suis pas exactement sûr que le total des aides publiques qui ont été données sur toute la période corresponde très exactement à ces 5,3. La somme me paraît un peu inférieure par rapport à ce qui a parfois été évoqué ici, mais si on regardera de façon très précise, voilà, on regardera de façon très précise les attendus de la décision de lancer une enquête approfondie en janvier 2023. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, merci tout d'abord de votre première contribution à cette commission. Je reviendrai au travers de quelques questions épaulées sur, bien sûr, vos propos. Vous avez indiqué que l'échange nourri, qui était ceux du secrétariat général avec la commission depuis plusieurs années sur ce sujet en particulier, et vous nous avez indiqué que dans ces échanges un effet de pause, ce sont vos mots, un effet de pause était intervenu durant la période notamment du Covid, à partir de la période du Covid, même si vous n'étiez pas en charge de cette responsabilité à l'époque, ne pensez-vous pas? Et peut-être la personne qui vous a précédé vous a-t-elle donné quelques indications sur ce point. Ne pensez-vous pas, ou n'avez pas eu, avez-vous eu l'information ou le sentiment que cette pause des échanges avec la Commission européenne relevait autant d'une situation de fait, une situation de crise à l'échelle européenne notamment, mais aussi et surtout d'une volonté politique du gouvernement français sous le ministère de M. Djebbari, qui nous a clairement dit qu'il avait instauré une ligne politique de résistance vis-à-vis de la Commission européenne. Puisque, en fait, personnellement, je distingue trois séquences. Si nous remontons à 2017, début 2017, fin 2019, en quelque sorte, dans le cadre de la filialisation de Fret SNCF, une approche sur laquelle nous reviendrons dans le questionnement de la discontinuité, dont on peut s'interroger de savoir si elle est théorique. Une deuxième séquence, fin 2019, et jusqu'à mai 2022, où en fait nous avons une parole politique. Parole politique qui rompt avec
scénario de discontinuité, et ce, dans le cadre d'une crise, effectivement, du fret qui permet l'émergence d'une politique publique avec M. Djebari. Et enfin, effectivement, une accélération à partir de juillet 2022, où la discontinuité revient largement dans le débat, visiblement, entre notre gouvernement, entre la France et l'Union européenne. Bref, est-ce que il vous a été indiqué, transmis, est-ce que vous avez eu le sentiment que cette pause que vous évoquiez vous-même n'était pas plutôt une pause politique plutôt qu'une relevant d'une autre stratégie que une pause strictement technique pour cause de Covid? Ma première question, et cela au regard donc des éléments qui auraient pu vous être communiqués par la personne qui vous précédait. Vous avez indiqué qu'effectivement qu'un schéma de discontinuité, ça se construit. Et vous arrivez en responsabilité au mois de juillet dernier, vous prenez connaissance du dossier à l'été et au début de l'automne. Vous disposez néanmoins d'un historique. Et parmi cet historique, quels sont, vous nous avez indiqué que l'étude, pourtant assez consolidée à l'époque de McKinsey, ne vous étiez pas connu. Quel élément de fondement vous permette de sortir un plan de discontinuité en quelques mois, avec l'aide, j'imagine, de la DGITM, voire de l'APE. Comment se construit en quelques mois un tel plan de discontinuité sans pour autant puiser dans le travail préalable qui était quand même assez conséquent au travers de cette étude, mais sans doute au travers d'approches faites par les services donc du ministère des Transports et du ministère des Finances. Ça, c'est ma deuxième question. Vous faites à plusieurs reprises référence dans vos appréciations à des échanges dits informels. Disposez-vous néanmoins au travers du travail d'interface dont vous nous avez dit qu'il était votre matrice de mission, eh bien d'éléments formels de préparation ou de conclusion des travaux portant sur l'évolution de la situation à fret SNCF. Je vous dis ça parce que par ailleurs, je crois, je parle sous contrôle de Monsieur le Président, il nous a été indiqué que les réunions avec la Commission européenne, eh bien, faisaient l'objet de comptes rendus appréhendés par les deux parties et permettant effectivement de s'accorder sur ce qui avait été dit durant l'instruction de ces différents dossiers. Donc, est-ce que vous disposez et éventuellement est-ce que vous pourriez nous communiquer les éléments conclusifs de vos rencontres avec la Commission européenne? J'ai un questionnement également que je souhaiterais vous transmettre pour une appréciation de votre part. Ça a été évoqué, l'un des reproches adressés au gouvernement français porte à la France, telle que dénommée dans la décision de la Commission européenne, ouvrant cette enquête, indique donc une appréciation craintive sur les aides internes
permis de combler les déficits de fret SNCF. Et ce, dès 2007. J'entends, je dis bien dès 2007. C'est-à-dire, dans une séquence où, au regard même de l'accord de 2005, la France et l'Union européenne étaient censées échanger des éléments d'audit, des éléments de contrôle, qui permettaient aux uns et aux autres d'apprécier le bon déroulement du plan de restructuration qui avait un reporting jusqu'à fin 2008. Je n'ai pas vu dans le plaidoyer de la France auprès de la Commission européenne sortie donc en avril 2023, je n'ai pas vu d'éléments de surprise de notre part, de la part de la France. C'est étonnant en quelque sorte que la Commission européenne n'ait pas opéré sa responsabilité de contrôle dès 2007 sur ces fameuses aides intragroupes. Est-ce que vous avez un sentiment sur sur ce constat ? La DG Concurrence nous a indiqué c'était jusqu'à le reporting était jusqu'à fin 2008 et qu'après, en plus, pour les moyens de contrôler le bien fondé du respect de l'accord. Néanmoins, 2005-2008, restructuration sous contrôle, et la France est tout de même pointée du doigt dès 2007. Il y a là quelque chose qui m'échappe, comme si, en quelque sorte, on avait laissé les choses dès le départ sans que les moyens et la transparence de mise pour le respect d'un tel accord ne soient réunis. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Sur votre première question, j'ai mentionné une pause. Est-ce le bon terme ? Je ne sais pas, mais en tout état de cause, le Covid a provoqué au sein de l'Union européenne, dans chacun de nos pays, bien évidemment, mais un choc absolument considérable qui s'est traduit par une manière de travailler pour tout le monde. Moi, j'étais encore à ce moment-là au ministère des Affaires étrangères, je m'en souviens bien. Une nouvelle manière de travailler complètement différente. Même la tenue des conseils, des groupes, des coropères, tout cela a été parfaitement chamboulé. Et ça a duré un bon moment. Au-delà du traitement du sujet, sur le fond, et où nous avons beaucoup plaidé pour qu'il y ait aussi une réponse européenne à la chose, en demandant très rapidement qu'un conseil santé des ministres de la Santé puisse se tenir. C'était Madame Buzyn qui l'avait à ce moment-là demandé, je me souviens très bien, sous présidence croate, et en faisant aussi partie de ceux qui estimaient que, nonobstant les compétences assez limitées de l'Union européenne en matière de santé, si vous regardez les traités, il était fondamental que l'Union européenne contribue pleinement à la chose, ce qu'elle a fait, je crois, de manière fort utile et au bénéfice de tous les citoyens, en prenant cette décision absolument inédite de mutualiser les vaccins. Mais il y avait une situation de fait vraiment complètement inédite qui a eu un effet très clair je parle de pause, encore une fois c'est peut-être pas le bon terme, mais de mise un peu en sommeil d'un certain nombre de sujets, y compris au plan législatif d'ailleurs, tant le bouleversement était fort. Donc moi je n'étais pas dans mes responsabilités actuelles à l'époque, mais quand j'évoquais cette question-là, ce n'était pas lié à ma connaissance, à une volonté politique particulière du côté des autorités françaises. Après, j'ai bien sûr pris connaissance de l'audition de M. Djebari, donc à laquelle vous avez fait référence. Moi, mon propos n'est pas de commenter ce qu'il vous a dit, bien évidemment, mais simplement de rappeler les circonstances très particulières dans lesquelles, l'année dernière, nous étions face à ce qui, encore une fois, se présentait de plus en plus dans notre appréciation de la chose. Et nous n'avons, d'une certaine manière, hélas, pas eu tort, puisque la Commission a fini par prendre cette décision le 18 janvier dernier. Plus le risque se matérialisait que la Commission allait ouvrir une enquête approfondie,
plus il était de notre responsabilité de regarder toutes les options. Et donc, de regarder un sujet comme celui de la discontinuité. Quand j'ai dit de manière théorique tout à l'heure, je voulais dire simplement qu'il n'y avait pas, à ma connaissance, en 2018, 2019 et même 2020, l'imminence d'une ouverture d'une procédure de la part de la Commission. Donc on regardait parce qu'il fallait bien regarder toutes les options, mais ça ne revêtait absolument pas le caractère de risque extrêmement fort dans lequel nous n'avons cessé de nous rapprocher jusqu'au 18 janvier dernier. Moi, j'ai simplement fait état, pour prendre votre deuxième question, s'agissant de l'étude de McKinsey que M. le Président évoquait, de ce que, dans l'exercice de mes responsabilités depuis août dernier, vous voyez que j'ai un certain nombre de documents sur la table, ça ne faisait pas du tout partie de mes documents. Que maintenant, cette étude qui avait été commandée ait pu nourrir aussi le travail des services de l'État, c'est tout à fait possible. Mon point n'était pas de dire que ce travail n'avait pas nourri les réflexions. Mais la question très concrète que nous nous sommes posée, et encore une fois, jamais tout seul, parce que le SGAE ne travaille par définition jamais seul, il dépend de l'interministériel, a été de regarder comment, compte tenu des contraintes qui sont celles du droit de l'Union en matière de discontinuité, nous pouvions construire un schéma qui permette, encore une fois, toujours en se projetant dans cette hypothèse, que lorsque la Commission rend sa décision, et si elle confirme les craintes qui ont justifié l'ouverture de la procédure, elle puisse dans le même temps constater qu'il y a discontinuité et donc il n'y a plus rien à rembourser. C'est vraiment ça qu'on a cherché à documenter. Et, Monsieur le Président, vous y avez fait référence, je ne suis pas revenu sur tous les éléments de la discontinuité, mais en effet, avec la création de ces deux nouvelles entités, qui pour l'une reprendront l'activité des trains mutualisés et l'autre la maintenance, avec le transfert du chiffre d'affaires que j'évoquais, avec évidemment aussi la dimension plus juridique de l'ouverture du capital. Ce sont ces éléments-là que nous avons construits en tenant cette exigence que je vous ai clairement indiquée, qui est maintenir, être en capacité de maintenir une activité à laquelle nous croyons beaucoup, et aussi travailler à faire en sorte que tout ceci ne se fasse pas au détriment des salariés. Et comme vous l'aurez entendu de la part du ministre, je crois de façon extrêmement claire, il y a un engagement extrêmement fort qui a été pris pour que l'ensemble des salariés puissent trouver une solution. Alors pour 90 d'entre eux, il n'y aura strictement aucun sujet. Pour les 10% restants, s'ils ne sont pas désireux d'aller travailler auprès d'un nouvel opérateur qui reprendrait en tout ou partie certaines activités remises sur le marché, eh bien, il y a un engagement extrêmement fort qui a été pris de leur proposer une solution au sein du groupe SNCF, de sorte que tous les salariés puissent être pris à bord. Donc c'est aussi une exigence très forte qui a été prise. Et c'est tout cela que nous avons construit au niveau qui est le nôtre, encore une fois, dont je ne veux pas exagérer la portée. Nous ne sommes qu'un service administratif au service du politique, mais avec les compétences de la DGITM, de la PE, des juristes de la République, évidemment, dont nous avons grand besoin. Donc, il se trouve qu'au SGE, j'ai un bureau qui traite des questions juridiques et dont le concours a aussi été précieux pour nous éclairer sur telle ou telle jurisprudence de la Cour. D'autres services juridiques aussi ont apporté leur concours. C'est comme ça que nous avons fait. Sur la troisième question, oui, effectivement, beaucoup d'échanges informels. Moi, je ne peux parler que de ce qui me concerne. J'ai vu plusieurs fois, été en contact avec Olivier Gersan, que vous avez auditionné, hein, qui est le directeur général de la concurrence, de même que je suis très souvent en contact avec les autres directeurs généraux de la Commission. C'est normal, c'est ainsi que l'on travaille, mais il n'y a pas eu entre nous de compte-rendu de ces échanges-là dont nous aurions été convenus préalablement, et précisément pour cette raison que c'était parfaitement informel. Moi, je sentais bien, je vous l'ai dit dans les échanges, que la Commission n'était pas convaincue par les arguments que nous produisions pour lui expliquer qu'il n'y avait pas de détails légaux. Olivier Gersan ne me l'a pas caché.
Lorsque la décision est intervenue, le 18 janvier, elle a constitué, comme je vous l'ai dit, un vrai tournant, pour ne pas dire une rupture. Nous avons changé totalement de séquence. Et en même temps, cette décision, alors, tant qu'elle n'est pas prise, elle n'est pas prise, pardon de la tautologie, mais il est évident que nous la sentions arriver, pour vous dire en toute transparence et honnêteté le fond de ma pensée. Entre les entretiens qui ont pu avoir lieu, pardonnez-moi, avec la commissaire Vestager, cela nous n'y étions pas, nous en tant que SGE. Voilà ce que je peux vous répondre à ce sujet. Sur votre quatrième question, sur les aides d'État depuis 2007 et le fait qu'il était convenu dans le cadre de la décision de 2005 que la Commission opérerait un contrôle, un monitoring au moins jusqu'en 2008, comment se fait-il qu'elle ne se soit pas émue plus tôt, si c'est bien le sens de votre question. Là, pour le coup, j'étais encore moins en responsabilité de cela à l'époque, donc ma réponse est évidemment très prudente. Mais je crois que, en fait, la réalité, c'est que du point de vue de la Commission, ça a été une accumulation de diverses choses. C'est pas singulièrement ce qui s'est passé en 2007 ou en 2008 qui a emporté la décision qui est la sienne d'ouvrir cette enquête ou de nourrir depuis déjà un certain temps de réels soupçons. C'est l'effet multiplicateur, l'effet de cumul en quelque sorte de ce qui lui apparaissait être à ses yeux comme un comblement régulier, systématique de déficit de fret SNCF. Quant au fait que la France ne se soit pas elle-même dite surprise du silence de la Commission à ce moment-là, je ne saurais pas trop vous répondre, si ce n'est que nous étions dans la conviction qu'en fait on était en présence de transferts intra-groupes et qu'il n'y avait pas de sujet d'aide d'État particulier, qui est une thèse que nous avons portée tout au long ensuite des discussions informelles. Voilà ce que je peux vous répondre là-dessus, mais il est vrai que c'est très très loin pour le coup, et j'ai encore plus de difficultés à vous en parler que je ne l'ai fait il y a un instant de l'époque du Covid. Ici, juste deux points qui là aussi viennent éclairer certaines des auditions que nous avons réalisées, des propos qui ont pu être tenus ici. Ce que je retiens aussi, c'est que finalement vous insistez sur l'élément nouveau radicalement différent et avérant le risque de l'enquête approfondie, alors que parfois on a pu avoir tendance ici, dans la manière dont on a échangé, à considérer que le risque planait comme de façon presque identique et que finalement il n'y avait pas eu un changement radical de situation à partir du mois de janvier. Or, ce que vous nous dites, c'est qu'avec votre connaissance des institutions européennes, il y a un avant et un après, et que dans le fond on ne peut pas tenir les mêmes raisonnements sur ce qui pouvait être fait avant et tenir les mêmes sur ce qui peut être fait après, puisque au regard du droit européen, on n'est plus du tout dans la même procédure, et on n'est pour le coup pas du tout dans le type de procédure que connaît l'Allemagne aujourd'hui pour le DB Cargo. Et la deuxième chose, même si vous ne l'avez pas dit, la deuxième chose, c'est que, et c'est lié à cela, c'est que évidemment il était plus facile de tenir une position de fermeté dans les discussions qui pouvaient y avoir avec l'Union européenne quand il n'y avait pas d'enquête approfondie et quand on était en période de crise Covid-19 où finalement c'était peut-être pas le sujet principal de préoccupation de la Commission. Comparer ce qui pouvait être fait ou tenu comme position entre 2020 et 2022 avec ce qui peut être tenu depuis janvier 2023, c'est un peu c'est à tout le moins asymétrique, et si on était un peu dur, on dirait assez facile. Je vous rejoins tout à fait. Je considérais qu'il y a d'un côté la facilité, de l'autre le courage. Je vous rejoins tout à fait. Encore une fois, le scénario consistant au lendemain du 18 janvier à avoir une posture de très grande fermeté en disant, écoutez, Madame la Commission, faites ce que bon vous semble, adoptez la décision qui vous paraît fondée. Nous vous avons déjà dit ce que nous pensions, nous, France,
du bien fondé de votre approche sur la prétendue aide d'État illégale et rendez-vous à Luxembourg devant le juge, c'était une tentation dont je comprends parfaitement qu'elle ait pu exister, mais que nous avons, au lendemain du 18 janvier, assez rapidement abandonné, que nos autorités politiques ont assez rapidement abandonné, convaincues qu'elles ont été de ce qu'il nous fallait, que le risque était trop important, en quelque sorte. Et la fermeté qui a été la nôtre, elle a été, une fois que ce combat-là, malheureusement, n'avait pas produit ses fruits, parce qu'il a eu lieu, ce combat, avant le 18 janvier, pour tenter de convaincre la Commission. J'entends parfois dire que les autorités françaises se seraient précipitées, à peine, l'encre à peine sèche de la décision du 18 janvier, pour mettre en place ce scénario sans même commencer à se battre et contester. Mais en fait, nous l'avions fait, largement fait, dans le cadre des échanges informels. Et encore une fois, malgré la production de nombreuses analyses juridiques sur les différents aspects constitutifs de ce qu'est une aide d'État, qui est quand même un sujet extrêmement renseigné en droit européen depuis le début de la construction européenne, nous n'avons pas emporté la conviction, c'est le moins que nous puissions dire. Et là, nous changeons en effet complètement de monde à compter du 18 janvier. La Commission, et pas simplement encore une fois la DG Concurrence, la Commission s'exprime, c'est un acte politique. C'est le premier acte formel véritable. Il ne s'agit plus simplement de s'échanger des informations pour documenter un cas. Non, il s'agit de dire, attention, et je crois que Olivier Garçon vous l'a dit précisément, la Commission ne fait jamais ça à la légère, heureusement, me direz-vous, parce que c'est quand même très, très difficile, la situation qui en résulte, à laquelle il faut faire face, sur le fond d'abord et politiquement aussi. Donc ça n'est pas du tout un acte anodin de la part de la Commission, et elle le pèse lourdement avant de le prendre, même si ce n'est pas à moi d'expliquer les sous-jacents de sa position. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, nous sommes dans un nouveau monde, et qu'il s'agit de traiter le plus rapidement possible pour dissiper l'inéluctable incertitude que l'absence de toute solution ou la tentation de la procrastination, si vous me permettez de le dire de cette manière-là, pourrait nous conduire, en essayant tout de suite de cadrer l'exercice pour le confort, le terme n'est évidemment pas le bon. Vous avez parlé d'une solution de moindre mal, je pense que c'est tout à fait ça, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de dire que la solution de discontinuité est une décision formidable, je crois que nous en convenons tous, mais nous sommes dans un cas typique où nous comparons deux mots MAUX, et pour nous le mal absolu eût été de se retrouver dans une situation où la Commission aurait dit Fret SNCF doit rembourser, ce qui veut dire la mort de Fret SNCF. Donc c'était très clair. Je crois que c'est vraiment à l'aune de cela qu'il faut mesurer la détermination qui a été celle du gouvernement français, détermination de convaincre jusqu'au bout la Commission qu'il n'y avait pas d'aide d'État illégale, ça n'a pas marché, et ensuite détermination et grande fermeté de trouver la bonne solution rapidement, en assumant ensuite un schéma de discontinuité tel que je vous l'ai présenté et qui est assez audacieux à certains égards. 18%, encore une fois, c'est pas 50, mais en estimant que c'est ça qu'il faut faire et en étant confiant dans ce que sera la décision de la Commission quand elle l'adoptera dans un délai de 18 à 24 mois. C'est vraiment ça, moi, c'est ce que j'ai dans mes fonctions depuis l'an dernier. C'est vraiment ça que j'ai ressenti dans la position de l'État. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Y a-t-il des questions de la part des collègues présents ? Madame Mireille Clapeau, Madame la députée de la Drôme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Secrétaire Général. Merci pour cette audition. Je prends conscience de certains faits en vous écoutant. Moi, j'habite, comme je le rappelle toujours, dans la vallée du Rhône et qui est fortement impactée par le flux de camions sur l'autoroute et avec aussi des voies ferrées. Et donc, je voudrais dire pour moi-même, mais aussi, je pense, pour beaucoup d'acteurs publics, que nous souhaitons tous relancer le fret ferroviaire pour des raisons écologiques, des raisons de vision économico-écologique et puis l'envie de supprimer ces nuisances qui résultent de la forte part modale du routier.
Et puis par ailleurs, je dirais que je fais partie des personnes qui souhaitent agir et qui refusent, pour reprendre vos mots, la tentation de la procrastination. Je ne fais pas mienne les paroles selon lesquelles il n'existe aucun problème qu'une absence de solution ne finit par résoudre. Donc je comprends et je m'associe aux décisions qui ont été prises. Néanmoins, cette solution de la discontinuité qui a trois dimensions, comme ça a été rappelé par le président, puisqu'elle s'impose à nous, je dirais, il est important aussi de voir quels avantages elle pourra procurer. Et ce qu'on souhaite tous, au fond, c'est que le fret ferroviaire soit relancé, que les trains soient choisis par les chargeurs parce qu'ils arriveront à l'heure et parce que la qualité de service sera assurée, et donc que les chargeurs pourront avoir confiance dans ce fret ferroviaire. Donc ça nécessite des investissements de toute nature, à la fois sur les infrastructures mais aussi sur la qualité de service. Et moi, la question que je souhaite vous poser, c'est comment la solution qui a été trouvée peut nous laisser espérer un avenir meilleur, au-delà de répondre à cette question immédiate qui risquait d'être la mort du fret ferroviaire. Comment est-ce qu'on peut en tirer des avantages qui permettront enfin de relancer le fret ferroviaire à un niveau français mais aussi européen? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Vous l'avez dit, et c'est tout à fait la ligne du gouvernement. Il faut absolument... je crois que le ministre s'est exprimé en des termes dénués de toute ambiguïté en la matière. Devant votre commission, il est absolument capital de continuer à relancer le fret ferroviaire, à inverser, et ça commence à être le cas depuis 2 ans, cette courbe extrêmement négative qu'on a pu observer au début des années 2000. Et il y a un engagement extrêmement fort avec l'ensemble, et depuis les lois aussi de 2018, hein, qui ont été 2019, qui ont été adoptées, la stratégie nationale en la matière, la loi que vous avez adoptée en matière de climat et de résilience, tous ces éléments-là, je crois, sont tout à fait essentiels. La solution de discontinuité, vous m'interrogez sur le meilleur avenir qu'elle nous permettrait. Je vous répondrai d'abord en vous disant qu'elle permet d'envisager un avenir. Parce que sinon, il n'y en avait pas. Je trouve que c'est aussi simple que cela. Ensuite, il faudra voir concrètement, lorsque elle sera effectivement mise en œuvre, comment ça va fonctionner. L'activité du train mutualisé, c'est une activité essentielle qui restera au cœur de l'activité de la nouvelle structure qui va voir le jour. Ce sera un élément extrêmement structurant. Alors certes, elle renoncera aux trains dédiés qui sont en forte croissance, mais nous avons pris l'engagement de trouver des solutions de repreneurs pour les 23 flux considérés, ce qui est pour nous absolument essentiel pour garantir l'avenir du fret ferroviaire, empêcher tout risque de report modal, mais pour le coup, la seule solution de discontinuité ne suffira pas à envisager cet avenir meilleur. Elle répond aux problèmes spécifiques qui permettent de garantir un avenir, mais si on veut travailler à ce qu'il y ait un avenir meilleur, il faut absolument déployer le plan de modernisation envisagé à hauteur de 4 milliards d'euros, comme le ministre vous l'a présenté. C'est essentiel. Il faut aussi sans doute, je le disais tout à l'heure, changer, et je crois que nos autorités y sont parfaitement déterminées, la Première ministre s'en est exprimée aussi devant vous, l'approche qui a consisté de fait à ce que le fret ferroviaire soit une variable d'ajustement dans le passé. Si on compare avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, où la part modale du fret ferroviaire dans le transport de marchandises est parfois bien supérieure, c'est parce qu'ils ont consenti, eux, un certain nombre d'investissements. Alors nos investissements sont potentiellement plus lourds en France, parce que la situation est plus éclatée géographiquement,
ça peut être plus compliqué par rapport à d'autres pays. Vous parliez notamment de l'Allemagne tout à l'heure, mais c'est absolument indispensable et c'est au cœur de ce que l'on veut, de ce que l'on veut porter. Donc c'est vraiment ça que je souhaiterais vous répondre, c'est que cet avenir meilleur, il repose un sur la nécessité de garantir qu'il est un avenir. Ça, c'est la solution de discontinuité. Vous avez dit qu'elle s'impose à nous. Ce n'est pas la Commission qui nous l'impose. C'est le droit de l'Union qui nous l'impose. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre option. Donc ça nous permet de garantir un avenir. Et pour faire en sorte qu'il soit meilleur, il faut absolument accompagner le fret ferroviaire. Si vous me permettez d'ajouter un dernier élément, c'est aussi totalement lié avec l'entreprise menée par le gouvernement et qui a une forte dimension européenne, permettez-moi de le dire aussi compte tenu des fonctions qui sont les miennes, de renouvellement profond, et je dis bien profond, de la politique industrielle que nous portons dans les questions européennes. Ça n'est plus un mot tabou, les enjeux de politique industrielle à Bruxelles. Longtemps, ça l'a été. L'acception de la croissance se résumait pendant très longtemps. Certains trouveraient peut-être ma présentation quelque peu caricaturale, mais c'est aussi quelque chose dont j'ai pu faire moi-même l'expérience en passant un certain temps à Bruxelles. La croissance se résumait à un enjeu de marché intérieur. C'est quoi la croissance ? C'est travailler sur les quatre libertés fondamentales. Et la France a longtemps expliqué, mais sans être forcément toujours audible, que non, la croissance est aussi une politique industrielle, où on se dote de moyens financiers, en termes d'investissement et surtout d'orientation politique que l'on veut porter pour devenir performant dans tel ou tel domaine, pour se doter d'une offre industrielle et ne pas se retrouver dépendant d'offres produites à l'extérieur de l'Union et nous serions simplement des consommateurs. Là, depuis ce qu'on appelle l'agenda de Versailles que nous avons porté sous présidence française, dans le contexte évidemment de la survenue de la guerre russe en Ukraine depuis le 24 février 2022, il y a désormais clairement posé une volonté de faire beaucoup plus en matière industrielle au niveau de l'Union. Et je pourrais longuement en parler sur plusieurs textes législatifs en cours de discussion qui le montrent. Et ça, c'est très important parce que, de toute évidence, le déclin du fret, il a été corrélé à la désindustrialisation. Donc je pense qu'il faut qu'on poursuive avec la plus grande détermination, comme souhaitent le faire nos autorités, cet agenda industriel au plan français, mais aussi au plan européen. Et c'est une condition aussi, je crois, de cet avenir meilleur que, comme vous, j'appelle de mes voeux. Très bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, de cette audition. Merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur. Mesdames et messieurs les députés.
Bien, mes chers collègues, après le secrétaire général aux affaires européennes, nous recevons deux anciens dirigeants de Fret SNCF. Je précise de Fret SNCF car, bien sûr, Alain Krakowicz est toujours dans le groupe public ferroviaire. Et à quel poste? Celui qui coordonne l'ensemble des activités voyageurs, ce qui est loin d'être négligeable, dans le quotidien des Françaises et des Français au moment où peut-être notre pays a plus que jamais envie de train. Donc nous auditionnons M. Mathias Emmerich, ancien directeur général adjoint de la branche fret de SNCF, et M. Alain Krakowicz au titre de ses fonctions de coordonnateur du plan de restructuration du fret de la SNCF et aujourd'hui directeur général, je le disais, de Voyage SNCF. Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête et je vous prie de nous excuser pour les contretemps qui nous ont contraints à différer à plusieurs reprises votre audition ainsi que pour le petit retard avec lequel nous l'ouvrons. Cette audition, elle vise une fois de plus à renseigner dans le cadre d'une approche chronologique les transformations de la branche de fret SNCF à compter de l'année 2003 dans le cadre de la préparation puis du positionnement sur le marché de l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. C'est en effet dans cette période que beaucoup d'enjeux de modernisation de l'activité fret du groupe public ferroviaire se sont noués, ainsi que d'autonomisation de la branche fret de la SNCF. Et nous en avons échangé avec le président Gallois. Nous savons que ça n'a pas été la chose la plus simple à opérer que cette délimitation stricte des activités et des personnels au sein du groupe public ferroviaire. Puis aujourd'hui, nous sommes en 2023 et l'un des constats que nous faisions à de nombreuses reprises, c'était que l'activité fret et les politiques publiques menées pour soutenir cette envie de train pour les chargeurs potentiels, elle avait longtemps souffert d'une forme de sous-estimation de l'impact positif pour la transition écologique de l'activité fret et que finalement ce lien nécessaire aujourd'hui est évident dans le débat public entre la transition écologique et le fait de choisir le train, notamment pour les marchandises, c'est un lien qui n'avait été opéré de façon régulière que de manière tardive et en tout cas que quand on parlait de fret au sein du groupe public ferroviaire dans les années 2000, peut-être jusqu'à 2008-2009, et quand on en parlait surtout dans le débat public dans les années 2000 et dans les années 90, on liait assez peu ce sujet du fret à celui de la transition écologique. Monsieur Krakowicz, vous avez effectué l'intégralité de votre carrière jusqu'au moment où on la considère, après des évolutions et jusqu'à aujourd'hui dans le monde de l'éducation, au sein de la SNCF. Alain, c'est à Alain que je m'adresse en premier. Donc vous, Alain, Alain Krakowicz, vous avez effectué toute votre carrière au sein de la SNCF. Vous étiez à partir de 2002 chef de projet à la direction du fret, en 2003-2004 responsable de la coordination du plan fret 2026, en 2007-2008 vous êtes directeur de cabinet de la présidente Anne-Marie Idrac puis du président Guillaume Pepy, et c'est à ce titre que nous vous auditionnons aujourd'hui. C'est d'autant plus étonnant, je le dis de façon facétieuse, que j'ai regardé l'un en parlant de l'autre, que je connais bien M. Alain Krakowicz évidemment. Monsieur Emmerich, c'est vous qui êtes aujourd'hui dans le monde de l'éducation et qui avez passé une grande partie de votre carrière néanmoins au sein du groupe SNCF. Dans la période qui nous intéresse, vous étiez donc directeur général de Voyage SNCF et vous êtes devenu en 2007 directeur général adjoint de la branche fret de la SNCF, puis en 2007-2008 membre du directoire de fret SNCF chargé de la stratégie internationale. Et on a eu ici à plusieurs reprises l'occasion de débattre de cette insuffisante peut-être notion de politique européenne dans la conduite des objectifs de fret ferroviaire et parfois aussi, notamment avec l'ancien ministre Jean-Claude Guessot, de la solution de la coordination et de la coopération qui a longtemps été envisagée comme étant quelque chose qui permettait de limiter l'ouverture à la concurrence à l'échelle européenne. Je vous laisserai, donc l'objectif de cette commission d'enquête, vous l'avez compris, je dis ça, vous venez, vous le savez, dans la dernière partie de nos auditions, c'était d'une part de comprendre s'il existait un lien nécessaire entre la libéralisation du fret ferroviaire et le déclin de la part modale depuis le début des années 2000, même si celui-ci avait commencé bien avant, et d'autre part
de s'interroger sur la solution de discontinuité qui a été retenue par le gouvernement français pour protéger le groupe, enfin en tout cas Fret SNCF, du risque d'une condamnation au titre des aides publiques indues, perçues à la fois par comblement de son déficit avec le soutien du groupe public ferroviaire, d'autre part avec la reprise de la dette de 2018-2019 et 2020, et puis avec la recapitalisation qui a été décidée après le vote de la loi portant pacte ferroviaire. Je vous précise, donc, c'est évidemment sur ce premier aspect, ce qu'on attend de vous aujourd'hui, sur le premier aspect de ce qu'était Fret SNCF, comment vous avez essayé de transformer son modèle, comment le groupe public ferroviaire a vécu l'ouverture à la concurrence sur cette activité fret, comment vous estimez que vous avez réussi ou pas à créer de nouvelles habitudes, à essayer de redresser une barre qui était très tordue dans le sens de déficit récurrent pour l'activité fret au sein de Fret SNCF, quels étaient les obstacles et comment vous évaluiez le niveau d'aide publique à l'activité fret au sens large et à Fret SNCF qui était mobilisé. C'est tout cela que nous voulons entendre dans les propos que vous pourrez développer devant nous. Je vous précise, messieurs, que cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Elle fait l'objet d'un enregistrement. Et je vous rappelle, comme je l'ai fait à l'ensemble des personnes qui sont intervenues ici, sauf aux fonctionnaires européens, et notamment au directeur général de la concurrence et au directeur général des transports, je vous rappelle donc qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, qui est relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et qui prévoit notamment les dispositions pour le fonctionnement des commissions d'enquête parlementaire, il est prévu que l'ensemble des personnes auditionnées sont tenues de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je précise d'ailleurs que l'ensemble des personnes qui écoutent et qui sont investies d'un mandat public sont notamment normalement chargées, si elles se rendent compte que tel n'a pas été le cas, de déférer ce fait devant les juridictions compétentes. Ceci pour mettre un peu de gravité dans cet échange qui sera évidemment très cordial et courtois. Et donc, je suis tenu de vous faire prêter serment à tous les deux, de dire cette vérité, toute la vérité et rien que la vérité. À ce titre, je vous demande de lever la main droite et de bien vouloir dire distinctement « je le jure ». Alors, je vous donne la parole, je prends acte de ce serment, je vous donne la parole dans l'ordre que vous voulez, peut-être M. Emeric en premier, ensuite M. Krakowicz, comme vous voulez. Je pensais, on en parlait avant, mais comme Alain était plutôt sur les années antérieures. Très bien. Donc, Alain Krakowicz, puis Mathias et Emeric, chacun pour entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, nous passerons aux questions. M. Krakowicz, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Pour revenir effectivement sur le début de la période que vous avez évoquée, puisque j'ai eu l'occasion d'intervenir effectivement sur le plan fret dans les années 2003-2004, donc c'est au tout début de la période que vous évoquiez, je me permets juste en clin d'œil de revenir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas effectivement la conscience environnementale qu'on a aujourd'hui, mais il y avait déjà clairement une conscience du rôle écologique que le fret pouvait jouer, et ça date même d'avant, puisque si je me permets juste cette petite parenthèse, puisque vous avez évoqué rapidement ma carrière, j'ai fait toute ma carrière à la SNCF, et je suis même en fait rentré au fret avant le début de ma carrière, puisque j'ai fait mon stage de fin d'études, on parlait de mes études tout à l'heure, au fret, à Fret SNCF, et j'ai même fait mon service militaire à Fret SNCF. Et à l'époque, ma mission de fin d'études, juste pour le clin d'œil, était l'étude du principe des autoroutes ferroviaires. Et donc, on m'avait demandé de regarder quelle pourrait être une prévision à l'horizon 2020, la saturation des autoroutes, pour justifier l'intérêt des autoroutes ferroviaires. Et c'était complètement inscrit dans la logique d'arriver à faire prendre en compte ce qu'on ne sait toujours pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre l'ensemble des coûts qui reposaient sur le fret, avec l'ensemble des coûts sociétaux, et ce qui est toujours une difficulté aujourd'hui, pour arriver à justifier justement de la mise en place de l'autoroute ferroviaire. Mais pour passer donc quelques années et arriver donc au début des années 2000, je vais donc vous présenter rapidement ce dont je me souviens, donc c'était quand même il y a un peu plus de 20 ans, et dire qu'effectivement j'ai donc eu l'occasion de
travaillé auprès de Marc Véron à l'époque sur la restructuration du fret et en particulier la mise en place d'un plan d'organisation de la production. J'y reviendrai, mais mon action, elle a été vraiment tournée autour des sujets de production, beaucoup plus que les sujets financiers en particulier. Je pense que c'est important d'avoir en tête qu'au début encore des années 2000, la production de la SNCF était très peu dédiée. Je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête ça. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement incroyable d'imaginer que TGV ne maîtrise pas sa production et n'a pas ses propres moyens, n'aurait pas ses propres moyens de production, ses propres conducteurs. De même pour TER et de même pour fret. Et bien, il faut avoir en tête qu'à l'époque, il y avait d'abord beaucoup moins de TGV en France, donc beaucoup plus de locomotives, et ne serait-ce que le parc de locomotives, à la fin des années 90, au début des années 2000, n'était pas dédié à une activité, n'était pas dédié au fret. Il y avait, d'ailleurs, quand on parle du fret au début des années 2000, c'est une entité qui est plus une entité d'animation commerciale, mais qui ne maîtrise pas sa production. Sa production, elle est en responsabilité de directeurs régionaux qui sont finalement de petites SNCF chacun à leur niveau et qui gèrent à la fois le voyageur, le fret, l'ensemble des activités, sans du tout d'avoir de moyens dédiés à chacune de ces activités. Et c'est donc une gestion globale qui est organisée. Et c'est bien au début des années 2000 qu'on décide que ça n'est plus possible. Parce que fondamentalement, en le faisant de façon très simple et sans revenir dans des considérations mathématiques, parce que moi, je dis ça parce que j'ai vraiment beaucoup été focalisé sur ces sujets-là presque pendant toute ma carrière. On est tous d'accord qu'en maths, un optimum global est plus efficace que la somme d'optima locaux. Mais le problème, c'est que ça n'est vrai que si on sait bien gérer l'optimum global. Et si en fait on n'arrive pas à atteindre l'optimum global, il vaut mieux avoir des optima locaux. Et c'est ce qui finalement nous a poussé à dire il n'est plus possible de ne pas dédier des moyens de production, locomotive, conducteur, à une activité si on veut qu'elle soit efficace. Ce qui se passait au fret à l'époque, c'était que comme encore une fois l'ensemble des locomotives et des conducteurs étaient finalement utilisés en commun par voyageurs et par fret, évidemment le fret était un tout petit peu la dernière roue du carrosse, puisque quand il y avait un problème avec un train, c'était pas très très grave qu'un train de fret soit arrêté, et c'était plus important que la locomotive et le conducteur soient affectés au train de voyageurs, parce que des voyageurs bloqués en pleine voie, ça a plus de voix que des marchandises. Mais c'était vraiment cette question-là. Et donc, on a décidé de dédier des moyens, non seulement au fret, mais après à certaines activités du fret. Et un de mes premiers jobs, d'ailleurs, à Fret SNCF, a été de dédier des locomotives à la partie combinée du fret. Je veux aussi insister sur le fait qu'on est à l'époque, et ça vous l'avez en tête, quand on prend les années 2000, on est déjà sur une érosion du fret ferroviaire importante, puisqu'on est à moins 17% de trafic entre 2000 et 2003. Et on a déjà la dérégulation des prix du routier depuis les années 90. On a un maillage routier qui s'est déjà multiplié. On est passé de 27 000 km entre 95 et 2000, dont 1 500 km d'autoroute. Et ça s'accompagne évidemment la désindustrialisation du fret que vous avez déjà évoqué, mais c'est important de rappeler qu'on passe de 15,7% en 2000 à 10,1% en 2017 d'industrialisation. C'est deux fois moins qu'en Allemagne. Donc le fret déjà en 2003 va très mal. Ça a été évoqué dans les auditions précédentes. On est à moins 267,8 millions d'euros pour le seul premier trimestre de l'année 2003. Et le trafic est passé de 52 milliards de tonnes à 46 milliards de tonnes kilomètres entre 1997 et 2003, soit une baisse de 11%. Vous l'avez dit, la condition nécessaire, c'est l'obtention de garanties sur l'autonomie comptable et organisationnelle de l'activité fret. Ce qui, je l'ai décrit, ne serait-ce qu'en termes de production, n'était pas du tout le cas avant. Et c'est un préalable à la validation d'un plan fret indispensable pour renouveler le parc de locomotives. Et je pense que là aussi, vous l'avez déjà entendu, mais c'était absolument cœur au début des années 2000. Comment est-ce qu'on a les moyens de renouveler
les 400 locomotives dont on a besoin pour notre activité. Et donc le plan Véron dont je me suis occupé avait une double logique de performance et d'urgence face à l'arrivée de la concurrence qui allait arriver dans les 3 années ou 4 années qui viennent. Et ce plan qu'on a à un moment donné effectivement appelé le plan de la dernière chance, même s'il y en a eu beaucoup d'autres après, était ambitieux dans la mesure où il avait comme objectif de redresser la qualité de service pour les clients et de nous désendetter très vite pour pouvoir acheter ces locomotives. Et donc concrètement, et je développerai juste ces deux points, on a eu à opérer une transformation de notre système de production, de pilotage économique, de politique client, et on a eu à nous concentrer sur les marchés rentables. Si j'insiste sur le premier point, c'est-à-dire le volet organisation, je pense que c'est important de partager ça. On avait d'abord une énorme transformation informatique à mettre en place, puisque nous avions un logiciel de gestion de la production qui était déjà très vieillissant et incapable d'appréhender toute la complexité qu'on allait devoir mettre en œuvre pour le saut de qualité de service nécessaire. On avait également à sortir d'une logique qui finalement, je m'en souviens parfaitement, consistait à passer d'un indicateur qui était le nombre de trains calés, c'est-à-dire le nombre de trains de fret qu'on n'arrivait pas à amener jusqu'au bout, à passer de cet indicateur à un indicateur beaucoup plus classique et nécessaire de satisfaction de nos clients fret, avec une gamme d'offres, avec des engagements réciproques, avec la mise en place d'un interlocuteur unique pour ses clients, parce que ce que j'ai décrit d'une organisation totalement mutualisée faisait qu'il n'y avait pas d'un interlocuteur, il n'y avait que des interlocuteurs commerciaux, mais pas d'interlocuteur production, responsable de la production pour un client. Alors, ces changements, on les a initiés. Il y en a eu beaucoup d'autres et qui ont été poursuivis par la suite, et je pense que Mathias en parlera. Mais c'est vrai que le plan Véron a essayé d'accélérer ça. Je veux aussi insister sur le fait que on a essayé de rentrer dans une logique d'organisation industrielle et régulière, avec des trains, les mêmes trains qui circulaient tous les jours de la semaine, et avec donc des parcours constants, et ce qui nous permettait d'assurer un suivi de ces trafics. C'est pour ça qu'on a parlé, je reviendrai sur ce terme, de la notion de tapis roulant. C'est-à-dire que le cœur de mon travail à ce moment-là était de créer ce qu'on appelait des grands axes, c'est-à-dire des tapis roulants qui, sur des trains de longue distance, roulaient systématiquement. Et le principe, c'était de dire qu'il y ait des wagons ou pas derrière, à la limite, peu importe, mais ce qu'il fallait, c'était rétablir la régularité, la confiance des clients, leur assurer que leur train allait arriver. Et donc, c'était pour ça que l'image du tapis roulant est assez parlant. Quoi qu'il arrive, la locomotive et le conducteur allaient d'un point A à un point B, et toute l'organisation derrière consistait à essayer évidemment de mettre des wagons derrière. Mais c'était cette notion de tapis roulant qui était très importante, qu'on appelait les grands axes. Et puis derrière ces tapis roulants, une desserte fine assurée par des zones fret. Et donc, ce dont on se souvient de cette époque, c'est vraiment cette création des grands axes et des zones fret. Les zones fret, elles étaient là pour collecter et livrer les wagons. Il s'agissait donc de regrouper des lots de différents clients en s'appuyant notamment sur une petite dizaine de zones locales autour de bassins de trafic homogènes. Donc j'ai compris que vous alliez aller voir Voipy, c'était une de ces zones fret, c'était la plus grosse. En dédiant les moyens à chacune de ces zones, on optimisait ses coûts de collecte et ses dessertes terminales, et on massifiait les flux vers les différentes artères principales, donc les grands axes. Et de fait, on a eu une disponibilité du parc qui a été au rendez-vous pour assurer cette qualité de service. Et puis donc, on a mis en place ces grands axes pour gérer là les flux de trains intertriage ou des trains entiers, pour industrialiser cette production, tous les jours la même chose, sur les artères principales de trafic. Et donc, on parlait vraiment de cette notion de tapis roulant. Et on a eu de fait une amélioration à la fois de la productivité et de la régularité en ayant cette dédicace de moyens de production à nos différents axes. Et puis pour organiser la combinaison entre ces grands axes et ces zones fret, des centres de gestion de flux qui ont été créés pour affecter justement les commandes et réserver la place dans les trains intertriage. On avait donc vraiment imaginé une solution où on distinguait finalement ce qu'était la locomotive et le conducteur qui tiraient un train, et la façon dont on remplissait en fait ce train, les wagons finalement venaient dans un deuxième temps
pour remplir ces trains. Et pour terminer, en fait, j'ai évoqué la deuxième grande mission après cette réorganisation de l'ensemble de la production et de la vision commerciale, c'était de se recentrer sur les trafics rentables. Parce qu'il était évident qu'on ne pouvait plus continuer à avoir des trafics qui, dans certains cas, étaient complètement déconnectés par rapport à ce que pouvait faire la concurrence, en l'occurrence la route. Donc on a pris la décision de se positionner sur les trains rentables, d'augmenter les prix là où la route était la plus chère. La priorité, c'était d'abord les trains complets et puis de massifier là où le transport des petits flux le permettait en optimisant le réseau des gares de triage. Le nouveau schéma directeur qu'on a bâti donc s'appuyait sur un plan de transport qui comporte d'une part des services sur mesure, qu'on appelait aussi organisation spéciale, pour les produits industriels lourds ou dangereux, et d'autre part des trains composés de groupes de wagons, qu'on appelle encore aujourd'hui d'ailleurs multilots, multi-clients, acheminés entre ces deux plateformes. Et pour terminer, je voudrais juste souligner que les fameuses 400 locomotives que j'ai évoquées en introduction ont été donc de fait financées. Et malgré tout cet effort et le cycle de rationalisation qui ont été engagés à ce moment-là, évidemment, on ne peut que constater que les résultats n'ont pas été suffisants puisqu'il a fallu réengager un autre plan de sauvetage dès 2007. Puis après, en plus, il y a eu la crise de 2008 qui a fait très mal aux fret à ce moment-là. Voilà la façon dont je peux raconter les souvenirs que j'ai de cette période 2003-2004. Je donne la parole à M. Mathias Emmerich. Merci, M. le Président. Merci, Alain. Moi, j'ai été directeur général adjoint du fret auprès d'Olivier Marambeau entre janvier 2007 et septembre 2008, puisque Olivier Marambeau a été remplacé par Pierre Blaillot après l'OPA sur Géodis. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté mes fonctions au fret. Je venais du monde voyageur et vous l'avez dit, monsieur le président, du site de réservation en ligne voyagesncf.com. Je signale également à la commission que j'ai exercé des fonctions financière au sein de la SNCF, puisque j'ai été directeur général finance de 2013 à 2014, puis directeur général délégué performance de 2015 à 2020 auprès de Guillaume Pépi. Évidemment, les 18 mois passés au sein de fret ont été à la fois très marquants. C'était ceux de l'ouverture du marché à la concurrence, et donc c'était le moment où on a été confronté à la réalité. Moi, je ne connaissais pas le fret. Et le premier constat qui s'est imposé à moi, j'ai un passé assez financier, c'est que, en dépit de sa situation de monopole dans les années précédentes, le fret était dans une situation financière désespérée. Et je me souviens, à la lecture des comptes séparés de fret, qui étaient des comptes séparés depuis quelques années, je crois 2003, avoir éprouvé le sentiment aigu de rejoindre une entreprise en faillite. Alors, en faillite, certes, mais là où il y a un petit gimmick, c'est que c'était une faillite, ce qui était seulement virtuel, faute de réalité d'une entité sociale de plein exercice. Le chiffre d'affaires du fret entre les années 2003-2006 était d'environ 1,9 milliard d'euros. Sa marge opérationnelle était négative pendant ces quatre exercices, 200 millions en 2003 et 2004 environ, et 100 millions en 2005 et 2006. Et le résultat net était négatif d'environ 400 millions en 2003 et 2004, 220 millions en 2005 et 260 millions en 2006, alors même que la concurrence n'était pas encore arrivée. Et son bilan était très dégradé, et de mémoire, il faudrait vérifier le chiffre, il y avait déjà des capitaux propres négatifs et un endettement de 1,6 milliard avant même l'ouverture au marché. Alors, ces données posées, il va de soi que passer à la concurrence avec une telle situation financière et un bilan aussi mauvais ne pouvait être qu'un exercice de haute voltige dont les chances de réussite étaient extraordinairement ténues. Cette entrée dans la concurrence a été d'autant plus compromise qu'après un exercice 2007 qui a grosso modo maintenu les résultats de l'année précédente avec une marge opérationnelle de moins 108 millions et un résultat net de moins 234 millions, mais qui était tout aussi mauvais que les précédents, la combinaison de la montée progressive de la concurrence, puisque fret SNCF a vu sa part de marché passer de 95% en 2007 à 76% en 2010, et surtout
de la crise post-Lehman Brothers a créé un effondrement global du marché à cette période, et donc la combinaison de la perte de parts de marché sur un marché qui se réduit, évidemment, était catastrophique. Et les résultats ont replongé les années suivantes jusqu'à des niveaux de résultats nets de moins 450 millions. Alors, le diagnostic que nous avions posé avec Olivier est déjà connu de votre commission, mais je vais essayer de vous l'exprimer avec mes mots et mon souvenir. Premier élément, c'est que la France n'est pas un pays favorable au fret ferroviaire en raison de sa faible densité de population, de ses forts déséquilibres géographiques entre l'Est et l'Ouest et entre le Nord et le Sud, et de la faible part de l'industrie dans son PIB. Ça, c'est un élément très important parce qu'évidemment, le territoire sur lequel on s'inscrit est clé pour un système de transport massifié. 50% du trafic avait une composante internationale et la juxtaposition des monopoles était préjudiciable à la qualité et à la rentabilité des trafics, chaque monopole souhaitant marger sur des trafics et augmentant le prix global. Compte tenu des caractéristiques géographiques du pays que j'ai décrit précédemment, le service universel du wagon isolé était lourdement et irrémédiablement déficitaire. Et dernier élément que votre commission connaît, les ports français étaient, comparés à ceux de l'Europe du Nord notamment, de taille modeste et les évacuations ferroviaires des containers souvent peu favorables. Alors, il y a également les éléments d'environnement, et là aussi, votre commission a largement entendu les éléments clés, mais je les rappelle. Saturation du réseau autour des grandes agglomérations et développement du TER qui y contribuait, dégradation des infrastructures de fret et des petites lignes importantes dans les zones fret, priorité donnée aux voyageurs dans la régulation des trafics, impact des conflits sociaux qui étaient extrêmement forts, en particulier sur le fret, densité et qualité du réseau routier en France et croissance du réseau autoroutier avec une part importante de l'ensemble de ces réseaux qui étaient non tarifés alors que le fret payait des péages, échec de la mise en place du péage poids lourd dans les années 2015 et réduction de la TIPP pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes et donc inéquité concurrentielle. Donc tout ça faisait en fait le fond du paysage. Alors, fort de ce constat, notre plan s'est articulé autour de plusieurs axes avec Olivier Marambeau. D'abord, la poursuite de l'intégration industrielle qu'a très bien décrite Alain, allant jusqu'à la création d'unités d'établissements fret spécialisés et une ligne de management direct de l'ensemble des collaborateurs du fret vis-à-vis de la direction du fret. C'est d'ailleurs l'origine de la gestion par activité, qui a été adopté par la suite pour l'ensemble des activités de la SNCF, y compris les activités voyageurs. Et c'était en fait quelque chose de très important parce qu'on était en concurrence avec des entreprises qui étaient tout à fait cohérentes. Et donc, nous, on avait besoin de trouver cette même cohérence et de moyens et de direction et de management. La remise en cause du système de wagons isolés universel, principale source de perte du fret, là aussi, on a commencé à réduire ou continuer à réduire les triages et à faire du multilot multi-client. La renégociation des contrats commerciaux ou la poursuite de la renégociation des contrats commerciaux avec les grands clients pour leur faire prendre des engagements de volume, ça c'était essentiel, et on était parfois considérés comme des variables d'ajustement de la route, et quand la locomotive se présentait, on mettait deux wagons derrière la locomotive parce que les camions étaient passés d'abord. Donc on demandait aux clients de s'engager sur un nombre de wagons qu'ils payaient, quel que soit le nombre de wagons remis. Le développement des autoroutes ferroviaires, qui s'est bien accéléré pendant cette période. Le développement d'alternatives à fret SNCF en France, notamment avec VFLI, qui est devenu Captrain France aujourd'hui, et qui opérait sur le même modèle que les nouveaux entrants, en complément et en concurrence avec fret SNCF pour permettre de se positionner comme nouvel opérateur. Le développement d'un réseau européen en Allemagne, en Belgique, en Italie, en priorité, pour offrir un service transfrontalier de bout en bout, opérant dans ces pays comme des nouveaux entrants. La poursuite d'une gestion rationnelle et non discriminatoire du parc de wagons au sein de France Wagon, puis d'Hermeva qui l'a absorbé, à l'échelle européenne, très importante, et la création d'une ROSCO, une société de location de locomotives, avec Akiem, pour utiliser les locomotives en excès de fret et le savoir-faire de maintenance du groupe. Bon, voilà à grand trait ce qui était notre vision. L'ensemble de ces axes ont été poursuivis pendant les années suivantes et font qu'aujourd'hui,
Si vous regardez les chiffres de Fret SNCF, on voit que Fret SNCF ne représente que 50% du chiffre d'affaires de la branche transport ferroviaire de la SNCF, transport ferroviaire de marchandises. Et donc, on voit quand même que ce mouvement qu'on avait initié, il s'est réalisé. On a 800 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est aujourd'hui dans Fret et 800 millions dans d'autres entreprises en France ou à l'international. Je note également la cession d'Hermeva, le wagonnier, et d'Akiem après 2020 ont permis à la SNCF de renforcer ses fonds propres de plusieurs milliards d'euros. Donc cette vision d'une bonne gestion du capital a permis à un moment donné à la SNCF de se soulager des pertes qu'elle avait subies avec Fret dans les années précédentes. S'agissant du sujet qui a motivé la constitution de votre commission, les aides d'État et la discussion avec la Commission européenne, je n'ai pas évidemment de lumière particulière puisque c'est des discussions entre l'État et la Commission. En revanche, sur l'analyse des faits juridico-financiers, j'ai quelques intuitions ou quelques réflexions. Fret SNCF a été une division sans statut social d'un EPIC, SNCF puis SNCF Mobilité, jusqu'à la réforme de 2020. Et toute activité hébergée au sein d'un EPIC bénéficie du soutien implicite de l'État, un EPIC ne pouvant faire faillite et les règles usuelles du droit des sociétés ne s'appliquant pas. Alors quand je dis ça, je vise notamment l'ensemble des règles relatives aux structures de bilan et en particulier le rapport maîtrisé du niveau des capitaux propres et des capitaux sociaux. Et pour moi, c'est cela qui pose question. Et c'est cela qui a conduit à faire gonfler une espèce de bulle de dette au gré des déficits successifs pendant 15 ans, jusqu'à plus de 5 milliards d'euros lors de la réforme de 2020. Si Fret SNCF avait été une société anonyme, la question de sa recapitalisation aurait été posée dès avant l'ouverture du marché, puis à de multiples reprises pendant toute la période. Ce que nous observons aujourd'hui n'est que l'aboutissement de 15 années de refoulement de cette question, qui a été masqué par le comblement, en apparence indolore, des déficits de Fret logé au sein d'un EPIC qui pouvait se le permettre. Cette solution silencieuse a également rendu l'État régulateur paresseux, l'EPIC SNCF comblant année après année les déficits sur ses ressources propres. Les questions de fond de la soutenabilité du fret ferroviaire en France, et pas seulement pour Fret SNCF, ont été éludées. Je note d'ailleurs avec intérêt que depuis que Fret SNCF en 2020 est doté d'un statut de société anonyme, l'ensemble des entreprises ferroviaires de fret françaises bénéficient d'aides spécifiques aux péages et aux wagons isolés. On est donc passé d'un régime d'absorption des déficits de Fret SNCF au sein d'un EPIC à la mise en place d'une politique publique de préférence et d'aide aux fret ferroviaires bénéficiant à tous les opérateurs, dont on sait, par les comparaisons internationales en Europe, qu'elle est la seule à même de permettre à la concurrence multimodale, de se déployer harmonieusement, en particulier en France. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Une question pour ouvrir peut-être le débat. C'est une question qu'on a posée à de nombreux interlocuteurs. Est-ce que vous estimez, sur les deux périodes que vous avez évoquées chacun respectivement et qui sont successives, est-ce que vous estimez que les politiques publiques, cette fois-ci je dis bien politiques publiques, qui étaient mises en œuvre en faveur du fret ferroviaire étaient suffisantes, y compris par rapport à celles qu'on pouvait observer à l'étranger? Je dis cela parce que là aussi on a parfois tendance, surtout quand on a fini par accumuler une masse d'informations assez grande, à ne pas percevoir ce qu'il peut y avoir de spécifique ces dernières années dans le cadre de la politique que vous avez détaillée de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. C'est-à-dire, pour expliciter ma question, à l'époque où vous étiez en responsabilité, estimiez-vous donc que les politiques publiques étaient suffisantes et quel était le niveau d'accompagnement sur l'aide à la pince, sur l'aide au péage et sur l'aide aux wagons isolés? Je ne vous demande pas des chiffres précis, mais quelle était la réalité de cette politique? Et ça nous permettra de mesurer aussi mieux si le contexte que connaît aujourd'hui notamment l'activité du wagon isolé est exactement le même que celui que vous avez connu à l'époque. Merci de ces réponses, si possible précises.
Clairement, la réponse. Alors, pour moi, l'aide était clairement insuffisante. C'était essentiellement à l'époque de l'aide à la pince, qui est une toute petite partie du sujet. Mais on le voit d'ailleurs clairement. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant toute cette période, beaucoup des entreprises concurrentes ont perdu de l'argent. Notamment ECR, qui était une filiale de la Deutsche Bahn. Le marché ne s'est pas développé. Ce n'est pas uniquement du fait de fret SNCF, mais c'est aussi du fait que les concurrents n'arrivaient pas à développer une activité suffisamment rentable pour rentabiliser leurs capitaux propres. Et c'est lié clairement au fait que, comme on ne prenait pas en compte ni les spécificités du marché, ni qui en France, je le rappelle, est quand même très défavorable au fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, c'est destiné à l'industrie, c'est destiné au transport massif, c'est destiné à la chimie, c'est destiné... Et ça correspond au nord-est de la France, de manière quasi exclusive. Tout le reste de la France, c'est du diffus, c'est de l'agricole, c'est du granulat, c'est beaucoup plus... C'est moins facile à programmer. Donc... La France, ce n'est pas l'Allemagne de ce point de vue-là. Le trafic de fret en Allemagne, c'est 3 ou 4 fois le trafic de fret en France. L'industrie allemande, c'est 3 fois l'industrie française. Les axes principaux en Europe, c'est des axes entre les ports de la mer du Nord et l'Italie du Nord. Nous, on est en marge du système européen du fret ferroviaire, quelque part. Et plus on va vers l'Atlantique et plus on va vers le Sud, plus c'est vrai. Les traversées nord-sud sont également empêchées ou, disons, pénalisées par les changements d'écartement à la frontière espagnole et par les difficultés de franchissement des Alpes avec l'Italie, qui n'est pas non plus une grande nation d'industrie lourde. Donc, clairement, si on avait voulu prendre en compte tout ça, il aurait fallu avoir une aide aux wagons isolés et une aide aux péages de fret. Et il y avait à cette époque-là une tension forte entre RFF et la SNCF. RFF disant la SNCF ne paye pas suffisamment de péage pour le fret parce qu'il faut prendre en compte les dégradations liées à la nature des trafics, qui sont des trafics très lourds, etc., qui ont des impacts sur les voies plus importants que le voyageur, etc., etc. Donc qui avait tendance à tirer les péages vers le haut en disant que le fret ne payait pas son coût marginal de péage ni son coût complet, et puis le fret qui ne pouvait pas les supporter, et l'État qui considérait que de toute manière la question n'était pas très intéressante, puisque année après année les centaines de millions étaient compensés d'une certaine manière au sein de l'EPIC SNCF, et il n'avait pas à faire voter par votre assemblée des crédits budgétaires. Donc la réponse pour moi, clairement, c'est non, la politique de l'État, elle était déficiente du fait que l'EPIC SNCF, d'une certaine manière, a accepté, nolens volens, de supporter les pertes pendant 15 ans. Non, peut-être... Pardon. Je me souviens qu'à l'époque, la seule aide dont on parlait, c'était l'aide à la pince. Et encore avec une vraie inquiétude, parce qu'on n'avait aucune assurance qu'elle serait renouvelée d'une année sur l'autre. Et je n'ai plus dans le détail la façon dont ça pouvait se passer, mais l'enjeu était majeur, en particulier pour le combiné, parce que l'aide à la pince, c'est l'aide pour le combiné. Et on se posait systématiquement la question de ce qui allait se passer l'année d'après quand on avait obtenu une aide sur l'année A, ce qui, en termes industriels, est évidemment pas compatible avec une notion de développement, parce que comment peut-on investir si on n'a pas les assurances que le modèle économique va pouvoir perdurer. Et plus globalement, au-delà des aides au péage ou des aides aux wagons isolés, qu'effectivement on aurait pu recevoir et qui auraient été légitimes, parce que, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, le wagon isolé intrinsèquement ne pouvait pas être équilibré économiquement. Peut-être à la différence d'ailleurs de certains trains entiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit bien, la structure aujourd'hui de notre production. Et on s'appuyait beaucoup à l'époque sur la comparaison avec la route. Et l'aide de l'État, elle nous semblait en particulier insuffisante par le fait qu'on supportait, et c'est toujours vrai, au niveau du ferroviaire, l'ensemble de nos coûts, alors que ça n'était pas le cas de la route. Et tout le discours, c'était est-ce qu'un camion paye les dégâts qu'il fait sur une nationale à la hauteur de ce que ça représente ? Oui, notre administrateur
faisait facétieusement remarquer, à l'aune de son expérience, notamment au compte-rendu, que effectivement, lors des débats budgétaires, pendant des années et des années, chaque année, il y avait un passage où on débattait de l'aide à la pince, dont le montant n'était pourtant pas très très élevé, et avec à chaque fois des débats assez, assez nourris. Et ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui, c'est qu'il y a des perspectives jusqu'en 2030, ce qui n'est jamais arrivé. Enfin, on n'a jamais été sur... Et surtout avec des aides aux wagons isolés spécifiques et des aides aux péages spécifiques et à des niveaux qui ne sont jamais arrivés. Je crois que c'est bien aussi d'objectiver cette réalité-là. Je nuancerai un tout petit peu ce que vous disiez, M. Emmerich, sur les caractères fondamentaux du pays. La désindustrialisation, elle a eu cet effet. C'est indiscutable de rendre le fret moins pertinent en France qu'il ne l'est dans des pays qui sont plus industrialisés. Pour autant, y compris dans des pays qui sont vraiment, alors pour le coup, pas du tout favorables au fret ferroviaire. L'Italie, c'est pas une zone de passage comme la France peut l'être, hein. Même si c'est une zone de destination ou d'expédition pour le nord de l'Italie qui est très industrialisée et très performante sur la machine-outil, par exemple. Mais on peut pas dire que les trafics au sein de l'Italie soient des trafics sur le plan du fret ferroviaire qui soient extrêmement pertinents ou évidents, vers l'est un peu, vers le nord aussi, vers l'ouest, vers la France potentiellement aussi, mais pas tellement vers en interne au sein du pays. Bon, en tout cas, beaucoup moins que pour ce qui concerne la France. Et pour autant, la part du fret ferroviaire en Italie s'est plutôt redressée ces dernières années par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Donc ceci pour nuancer un peu et malgré tout pour considérer que toute la façade est de la France, évidemment, il y a le nord-est qui est une région que je connais bien, qui est une grande région de fret ferroviaire, c'est certain, mais toute la façade est de la France, y compris la zone de la vallée du Rhône, est une zone qui est profondément traversée par les flux de marchandises et qui est quand même le principal corridor européen de marchandises aujourd'hui, c'est mer du Nord, Méditerranée. Et ce corridor-là, il passe par la France. Il ne passe pas par la France de l'Ouest, c'est sûr, mais il passe bien par la France, il passe largement par la France, qui est un isthme géographiquement et donc forcément une zone de contact et de trafic très important, beaucoup plus qu'en Espagne ou qu'en Italie par exemple. Je fais juste cette, je méfie toujours, mais ça c'est l'historien en moi qui le fait et aussi celui qui a fait un peu de géographie. Je méfie d'espèce de la condamnation ou l'enfermement du déterminisme géographique, surtout que pour moi c'est pas un déterminisme géographique, c'est plus un déterminisme historique lié au déclin de l'industrialisation en France que véritablement géographique, puisque dans ce cas-là, la position de la France est en fait pas si mauvaise que ça pour le fret, en tout cas pour toute sa partie est. Voilà, monsieur le rapporteur, je vous donne tout de suite la parole. Merci, monsieur le professeur président. Messieurs, mesdames, messieurs, merci de votre première contribution. Je reviendrai sur ce que vous avez déployé autour de la problématique de la production. Vous savez que tout à la fois les plans dits Véron et les plans dits Marimbaud ont été tout particulièrement critiqués par un certain nombre de tiers. L'un des axes de cette critique renvoie à la question de l'abandon progressif du wagon isolé et donc la question d'aller en quelque sorte ou pas continuer à aller chercher le diffus et à construire la production autour du diffus, à construire la production artificiellement autour donc du wagon isolé. Certains donc indiquent que en s'alignant en quelque sorte ce que vous avez peut-être dit en creux, en s'alignant en quelque sorte sur les nouveaux entrants et en allant vers les trafics de point à point, hein, un trafic dédié, entre guillemets, donc dit rentable, eh bien, le détricotement du wagon isolé, progressif, allant jusqu'au multilot, multi-client également, eh bien, a affaissé la logique industrielle sur lesquels était bâti fret SNCF. En quelque sorte que cette,
cette atteinte au diffus, à aller chercher le diffus, à le construire, à le produire à partir du wagon isolé, eh bien, avait ouvert une logique, ouvert un cercle vicieux, dans la mesure où le cœur du travail, et y compris de la rentabilité d'un service fret dans notre pays, nonobstant les évolutions que vous indiquiez, des industrialisations, etc., etc., eh bien, se trouvait bien à l'échelle cette production artificielle à partir du diffus. Et que partant également, eh bien, cette déconstruction des boucles fret avait nécessairement produit un gâchis au niveau de la productivité du travail et du capital engagé. Alors, cette critique fondamentale vis-à-vis des la trajectoire de production qui a été celle donc mise en œuvre par ces plans, comment aujourd'hui l'appréciez-vous ? J'imagine que vous êtes toujours dans la certitude du bien fondé de ces plans, mais comment l'appréciez-vous, y compris tout de même, certes, le contexte, mais au niveau des résultats bruts de ces deux plans loin d'être à la hauteur des objectifs qui étaient les leurs. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Avez-vous douté à un moment ou à un autre du bien fondé de cette stratégie donc qu'on voit bien se déployer entre 2003 et 2010 hein. Peut-être pour commencer sur la période 2003-2006, le souvenir que j'en ai, c'est absolument pas une vision d'un abandon du wagon isolé. Et d'ailleurs, tout ce qu'a décrit Mathias sur l'aspect économique, à l'époque, en tout cas du produit, qu'on n'arrivait pas à faire flotter économiquement, était réel. Le principe même de la construction des grands axes et des zones fret, et donc de ces fameux tapis roulants, qui étaient fondamentalement des tapis roulants intertriage, reposait sur le principe du wagon isolé. Ce qu'on a voulu faire à l'époque, c'était sortir d'une logique où, fondamentalement, on crée un train dès qu'on avait suffisamment de wagons à la sortie d'un triage pour aller à un autre triage. Donc on était dans une logique totalement de dentelle pour passer dans une logique industrielle, en disant on aura peut-être moins de trains, mais en tout cas on aura des trains qui circuleront systématiquement, dont on pourra assurer le client de leur suivi et de leur ponctualité, et qui pourront être remplis soit par des wagons isolés, soit par des lots. Et cette volonté de créer ces grands axes montre à quel point on n'a pas voulu à l'époque se recentrer uniquement sur du point à point, parce qu'on aurait pu se dire on fait que du point à point. Mais dans ce cas-là, c'est pas le principe du grand axe qu'on aurait appliqué. On serait pas rentré dans une logique du tapis roulant. Et c'est intéressant parce que je me souviens très bien qu'à l'époque, cette question d'une optique très industrielle n'était pas évidente et pouvait d'ailleurs être critiquée. Je dirais presque par les deux bancs, si vous m'excusez, à la fois par les tenants du passé qui disaient mais moi je veux rentrer dans un système où on construit un train au moment où on a le besoin, et puis d'autres qui disaient en fait cette vision industrielle n'a d'intérêt que si on est sûr de pouvoir remplir ces trains. C'était en fait une vision extrêmement ambitieuse, qui s'est avérée d'ailleurs trop ambitieuse, puisqu'en fait on a créé des tapis roulants, mais un tapis roulant ça marche que si il est rempli. Et le problème du tapis roulant, c'est qu'il commence à coûter très cher si on n'a pas la capacité industrielle à le remplir. Et d'autres qui disaient, mais en fait, le fret ferroviaire dans notre pays ne peut pas avoir ce caractère industriel et il ne peut fonctionner que
dans une logique qui peut paraître un peu dingue quand on regarde ce que c'est qu'un faire un train, ce que ça représente de bouger 1800 tonnes, dans une logique de dentelle, parce que il faut là c'était plus une vision peut-être futuriste, hein, d'être vraiment au service d'un client et d'être extrêmement souple par rapport à la demande d'un client. Et encore une fois, ce principe industriel qu'on a mis en place, enfin en tout cas dans la vision que j'en ai, n'était pas du tout dans une vision de mort du wagon isolé. Au contraire, elle était totalement compatible avec la logique du wagon isolé. J'étais absorbé par vos propos, donc il faut que je me remette dans mon questionnement. Oui, alors, maintenant votre avis, parce que on a un plan de discontinuité qui fait le choix de proposer à la nouvelle entité Fret SNCF de se focaliser sur la gestion capacitaire. On a entendu ici des avis très inquiets sur la capacité de cette nouvelle entité à trouver sa place sur ce marché. J'aimerais, à la lumière de votre expérience, et si vous le voulez bien, que vous puissiez nous livrer un avis sur ce qui est promis comme challenge à cette nouvelle entité. Alors, c'est difficile parce que je ne connais pas le détail. Moi, je suis maintenant un peu loin de tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que ça va être difficile, bien sûr. Ça ne peut être qu'extrêmement difficile, puisque les trafics qui vont être mis à la concurrence, et à la concurrence stricto sensu, puisque les autres entités du groupe ferroviaire ne sont pas autorisés à se positionner sur ces flux, ne sont pas les moins rentables, les moins massifs et les moins pertinents. Donc c'est une étape supplémentaire dans une réforme qui a été, enfin je le rappelle quand même, pendant toute cette période, Fret SNCF a perdu les deux tiers de ses effectifs. On est passé de 15 000 à 5 000 agents. Donc c'est pas comme si Fret SNCF, et je rends hommage à Sylvie Charles, à Frédéric Delorme, était resté les deux bras dans le lit pendant toute cette période. Non. Ce qui a été fait est absolument considérable. Et là, on demande un effort encore supplémentaire à une entité qui a déjà fait des efforts considérables pendant toute cette période. Ce qui peut permettre, peut-être, à ce plan de se dérouler dans les conditions les moins mauvaises, c'est si la poursuite de la politique publique d'équité concurrentielle et donc de prise en charge des péages par l'État fait en sorte que le marché se retourne et recommence à se développer dans les années à venir, ce qui fait que cette amputation sera moins douloureuse parce que le marché grossit, parce que enfin l'État a pris ses responsabilités vis-à-vis du fret ferroviaire et fait en sorte de repositionner à un niveau de profitabilité suffisant l'ensemble des opérateurs, y compris Fret SNCF. C'est tout ce qui peut atténuer cette difficulté qui va être très grande, bien sûr. Peut-être, moi, juste pour vous donner un sentiment d'abord un peu personnel, mais qui est, je pense, partagé par beaucoup de cheminots, et pas que ceux qui ont trempé dans le fret, c'est quand même un sentiment d'injustice très fort. Je pense qu'il faut quand même qu'on le dise, c'est ressenti très, très, de façon très, très vive, parce que si on sort un tout petit peu de ce que Mathias a très bien décrit, mais de l'ensemble de la relation entre la SNCF, la responsabilité de l'État, etc., le fait est que la SNCF a choisi de mettre de l'argent sur une activité qui en perdait beaucoup, qui en aurait perdu quoi qu'il arrive. On vient de décrire le wagon isolé, que c'était géré par un concurrent ou pas. C'était de fait une activité sur laquelle on était les seuls à être positionnés et qui perdait de l'argent. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, c'était quand même pas complètement évident de se dire que la SNCF allait mettre plusieurs milliards d'euros sur cette activité
Parce que si elle aimait là, elle aimait pas ailleurs. Et elle n'aimait pas donc sur en particulier une activité beaucoup plus rentable comme le voyageur qui aurait pu permettre de se développer. Donc on avait à l'époque un sentiment de responsabilité au sens où le fait de mettre de l'argent sur une activité dont on savait qu'elle perdait de l'argent et dont j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même une prise de conscience écologique à l'époque déjà, hein, en tout cas de sa nécessité pour le pays, c'est quand même vécu de façon un peu difficile aujourd'hui de se dire qu'on vient nous reprocher d'avoir mis ces milliards sur cette activité qui, encore une fois, n'aurait jamais été de fait prise par personne, et qu'on nous demande même d'ailleurs de remettre 5 milliards finalement dessus. Hein. Donc c'est le truc est quand même vraiment vécu de façon très injuste. Après, sur la négociation qui a lieu et le fait que ces 5 milliards ne sont plus sur la table et que le plan qui est prévu et qui a été négocié par Frédéric Delorme, enfin, moi, juste pour regarder ce que ça représentait, c'est je pense, une histoire qui se raconte très bien parce que fondamentalement, c'est peu de trafic qui disparaît, des effectifs finalement de façon assez restreinte. Donc, c'est une discontinuité, je dirais, qui en tout cas. Permet si on continue d'avoir ce que vous décrivez, c'est-à-dire effectivement une vision d'aide qui s'inscrit dans la durée et sur l'ensemble des sujets du fret, donc on n'est plus que sur la pince à l'année, mais qu'on est sur l'ensemble des dimensions sur une durée longue, moi je pense de pouvoir avoir des perspectives, parce qu'encore une fois je suis assez convaincu que le fret peut vivre dans ce pays, donc et malgré tout les conditions de la discontinuité là, telle qu'elle est, et la NewCo qui va être créée, les deux NewCo qui vont être créées, devraient permettre de complètement d'y arriver. Mais voilà, ça ne gomme pas complètement le sentiment d'injustice que je décrivais. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, je vais essayer de formuler quelque chose et vous me direz si vous êtes en accord ou en désaccord avec ce que je dis. Dans le risque qui court, on en parlait avec le secrétaire général aux affaires européennes, qui courait, disons, après l'enquête approfondie, qui planait sur fret SNCF, il y avait trois dimensions d'aide publique regardées comme indues. La première, c'était celle de la compensation du déficit récurrent de l'ordre de 400 à 260 millions dans les années où M. Emmerich était en responsabilité, par le groupe public ferroviaire de fret SNCF. Donc ça, on peut considérer que ça relevait, cette aide était rendue nécessaire pour partie, je dis pour partie, parce que peut-être les politiques publiques étaient insuffisantes à cette époque pour compenser le déficit d'économicité de certaines activités, dont l'aide aux fret ferroviaires. Donc il y a une dimension qui correspond à ce que vous dites, Alain Krakowicz, qui est, et on comprend le sentiment d'injustice, qui est que ces 5,3 milliards d'euros, c'est en grande partie l'effet de ce que le groupe public ferroviaire était obligé de mobiliser comme moyen public, aussi pour partie parce qu'il n'y avait pas assez de politique publique par ailleurs de soutien à l'activité fret, mais c'est aussi ces 5,3 milliards une somme qui résulte de la reprise de la dette de fret SNCF et de la recapitalisation de fret SNCF en 2019. Et donc le paradoxe, c'est que dans cette somme, dans ce risque, il y a aggloméré et additionné quelque chose qui relève pour partie de l'effet du manque de politique publique et quelque chose qui relève pour partie d'une trop forte politique publique. Si vous m'avez suivi, est-ce que vous seriez d'accord avec ce type de formulation ? Moi, je ne crois pas. Je pense que l'histoire, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que les 5,2 milliards, c'est le résultat d'une insuffisance de prise en compte par l'État des nécessités d'une flottabilité du fret ferroviaire en France pendant 15 ans. Et alors, il y a une partie qui est un peu compliquée à expliquer, mais il se trouve qu'il y avait une dette de départ, et que cette dette de départ, elle a gonflé à un taux qui était un taux normatif fixé en accord avec la commission de 6%, et si vous appliquez ce taux de 6% pendant 15 ans, elle triple. Bon, il y a cette partie-là, qui est une partie un peu... c'est le prix du temps. Voilà. Mais non, moi je ne vois pas deux pénalités. Pour moi, le 5,2 milliards, les 5,2 milliards, c'est le résultat de 15 ans d'absence de prise en compte
dans le dialogue entre l'État et la SNCF de la nécessité d'avoir un dispositif spécifique pour le fret, puisque, d'une certaine manière, l'État faisait l'économie de passer devant votre assemblée pour demander des crédits publics en laissant les pics SNCF et indirectement les activités voyageurs, qui étaient celles qui pouvaient contribuer, combler année après année ce déficit sans mettre la SNCF en péril. Parce que, évidemment, la SNCF n'a pas été mise en péril. Elle a pu. Si je rentre encore plus dans les détails, évidemment, la SNCF ne payait pas un taux de 6%. Donc il y a une partie de cette perte qui est artificielle et virtuelle, puisque ces 6% de taux d'intérêt normatif, en réalité, n'étaient pas les coûts des emprunts de la SNCF qui empruntaient à des taux qui étaient plutôt deux fois moins. J'ai sans doute pas été assez explicite. Dans la somme qui est évaluée des 5,3 milliards d'euros, il y a une part qui correspond à la somme des aides publiques de l'aide versée par le groupe public ferroviaire à sa branche fret SNCF pour compenser le déficit, ça c'est une partie, mais c'est une addition cette somme de 5,3 milliards d'euros. C'est aussi la reprise de la dette de fret SNCF par l'État dans le cadre de la reprise d'une partie de la dette de l'ensemble du groupe public ferroviaire par l'État en 2019-2020, c'est ça hein, la somme. Et c'est l'effet de la recapitalisation. Et quand on regarde la lettre et le secrétaire général, la lettre au sens de la manière dont est rédigée la décision de la commission de lancer une enquête approfondie, il est très clair qu'il y a bien ces trois dimensions. Et on peut difficilement dire que reprendre la dette de quelqu'un ou recapitaliser un groupe, c'est une façon de se défausser de sa responsabilité. C'est même le contraire. Votre raisonnement est très juste pour tout ce qui se passe avant 2019. C'est tout à fait. Et d'ailleurs, l'enquête approfondie ne porte pas. Il n'y a pas de notion d'aide, puisqu'à partir du moment où il y a création de l'ASA et des SA, il n'y a plus de possibilité d'aide publique. Donc en fait, votre raisonnement est juste jusqu'en 2019. Mais après, il y a une dimension spécifique qui est la reprise de la dette et la question de la recapitalisation, qui est aussi regardée comme une aide publique indue par la Commission européenne. D'accord. Votre distinction entre le déficit récurrent et la reprise de la dette et la recapitalisation, moi, je le comprends complètement, mais à un moment donné, la dette... C'est ça le sujet, en fait. Si je reprends juste ce que pensent beaucoup de cheminots, c'est ça. C'est, OK, il y a effectivement cette partie sur le déficit récurrent, mais on peut pas se dire, d'ailleurs, c'est le même sujet finalement qu'on a eu... Du point de vue SNCF, le raisonnement est juste. Mais du point de vue des décideurs publics, c'est pas la même chose, puisque évidemment, ceux qui reprennent la dette ne sont pas ceux qui ont compensé les déficits pendant les 15 années précédentes, pas exactement. Donc, et les politiques publiques sont plus les mêmes non plus, puisque donc c'est important quand même de le. Dans le détail, pardon, et je ne connais pas avec autant de parce que j'ai pas vu les documents, etc. Mais pour moi, il est clair que quand on a réfléchi à cette réforme, moi j'étais encore à la SNCF, on savait bien que cette dette, il fallait la laisser à la SNCF. Il n'y avait pas le choix, parce qu'on ne pouvait pas la donner à fret. Si on la donnait à fret, immédiatement, fret était en faillite, ou il fallait... il n'y avait pas le choix. Enfin, d'une certaine manière, c'était l'aboutissement de 15 ans de virtualité des comptes, et on n'avait pas du tout le choix. Ensuite, vous avez mentionné la reprise de la dette de la SNCF par l'État. Pour moi, c'est un sujet complètement distinct, parce que la reprise de la dette qui a été... opéré par l'État, c'est à ma connaissance la reprise de la dette de SNCF Réseau et pas la reprise de la dette de la SNCF Mobilité de l'époque. Alors aujourd'hui, SNCF Réseau d'ailleurs a des comptes séparés, mais les 15 milliards puis 10 milliards égale 25 milliards, c'est pas la dette de la SNCF. Pour moi, on mélange deux sujets. Alors peut-être que la Commission le fait, hein, mais pour moi, on est sur deux sujets qui sont de mémoire différents. Très clair. Est-ce que Madame Sylvie Ferrer ou Madame Mireille Clapeau ont des questions? Sylvie, Madame la députée des Hautes-Pyrénées. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Messieurs. Donc je vous remercie pour votre présentation. Et puis voilà, moi j'avais une question, notamment, vous l'avez cité au départ, monsieur
Krakowicz, voilà. L'enjeu climatique est déterminant aujourd'hui, et parce qu'on sait tout simplement que l'activité humaine est responsable de ce dérèglement climatique, et notamment dans les transports. Et donc la logique voudrait que, en effet, on fasse un transport, un report modal des marchandises sur le train. Et donc j'aurais une question notamment concernant l'écotaxe qui a échoué en fait. Et donc voilà, j'aurais voulu avoir votre avis sur ce dispositif qui aurait permis de rééquilibrer en fait le transport en fait ferroviaire des marchandises. Merci. Bah, y a deux manières de créer de l'équité en fonction du CO2 hein, et des émissions de CO2. Il y en a une qui consiste à aider les gens qui émettent moins et une autre qui consiste à pénaliser ceux qui émettent plus. L'idéal, c'est de faire les deux. C'est évidemment d'aider les gens qui émettent moins et surtout s'ils ont des coûts qui sont supérieurs et de pénaliser les gens qui émettent plus. À certains égards, la question qu'on se pose là sur le fret, on peut se la poser aussi pour le voyageur. Penser qu'aujourd'hui, il n'y a pas de taxation du kérosène en Europe pour les vols intérieurs, pour moi, est une aberration. Et c'est de même nature que votre question, c'est-à-dire que le fait d'avoir reculé sur le péage poids lourd dans ce pays, pour moi, est une catastrophe, et c'est une catastrophe pour le fret ferroviaire. Oui, nous on l'attendait, c'est ça le paradoxe, hein, c'est que globalement, on attendait cette écotaxe depuis des années, on l'attend encore, et c'est vrai, d'ailleurs, ça fait un peu mal de voir les vestiges sur l'ensemble de nos autoroutes hein, qui traînent encore. Mais pour faire le lien avec ce que disait David Valence tout à l'heure, ça fait partie quand même des éléments qui ont provoqué cette dette pendant des années. Si on a imaginé à un moment donné de mettre en place cette écotaxe, ce qui a été imaginé à un moment donné était en fait le reflet de ce qui se passait depuis des années. Enfin, ça faisait des années qu'on considérait qu'il y avait ce déséquilibre entre ces deux types de transport. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à faire la différence entre le déficit récurrent et la somme des déficits précédents qui, quoi qu'on en dise sur le niveau des politiques publiques, n'avait pas permis, puisqu'il n'y avait pas d'écotaxe, la preuve, d'éviter d'accumuler la dette qu'on a accumulée. Madame la députée Myriel Clapeau, vous vouliez prendre la parole ? Madame la députée de la Drôme. Merci, monsieur le président. Madame la députée de la Vallée du Rhône, donc on va passer quelques trains. Merci, messieurs les directeurs, pour vos interventions. Moi, j'étais frappée en vous écoutant de noter la complémentarité de vos visions avec l'industriel attaché à la qualité de service, une notion qui m'est chère et que j'ai maintes fois répétée dans ces auditions, et puis l'approche financière qui est tout à fait aussi louable, mais elles sont complémentaires et elles montrent bien la dualité et l'extrême complexité du fret ferroviaire, de l'activité fret SNCF, parce qu'il faut les deux. Ce que je voulais dire quand même, c'est peut-être, monsieur Emmerich, à l'image de ce qu'a dit le président David Valence, moi je ne vois pas les choses de la même façon avec une région qui, parce qu'elle serait industrielle, serait logiquement dédiée au fret ferroviaire. On voit aussi passer des trains avec des automobiles ou des camions avec des automobiles. Il y a des trains de primeur, il y a des trains d'eau minérale aussi, donc je ne vois pas tout à fait les choses de la même façon, et c'est peut-être lié au fait que les externalités négatives du camion ne sont pas assez prises en compte, mais ça a été dit par d'autres. Je pense que si on veut regarder le fret globalement, évidemment le fret ferroviaire est bien plus écologique et donc profitable à la société. Ce que je voulais surtout peut-être, pour compléter ce que vous avez dit, c'est vous poser la question de, même si vous êtes, enfin surtout pour vous, M. Emmerich, en dehors maintenant de l'activité, mais
La décision est prise, hein, il y aura discontinuité et donc le paysage du fret ferroviaire va être complètement différent après la mise en place de cette solution de discontinuité. Et comment vous voyez chacun d'entre vous avec votre prisme le futur justement de cette activité, ce qui est une solution finalement subie, comment est-ce qu'elle peut être peut-être une opportunité pour relancer le fret ferroviaire, ou est-ce que au contraire, de toute façon, la pente est inéluctable et on n'y arrivera pas. Comme je suis interpellé à deux reprises sur ma vision du... Je pense que vous avez été choqué par mes propos qui étaient de dire que la France n'est pas un pays de fret ferroviaire. J'ai ajouté deux facteurs, hein, la faible densité, trois facteurs, la faible densité, la faible part de l'industrie dans le PIB, et le troisième très important que vous avez dû également noter, c'est des fortes différences entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. Donc si vous êtes à l'Est, effectivement on est dans un pays qui est apte au fret ferroviaire ou favorable au fret ferroviaire. Si vous êtes au Nord-Est, vous l'êtes encore plus, et ceci explique cela, et c'est pour ça que ça renvoie à la question du wagon isolé. C'est que poser un filet de service du wagon isolé que j'ai qualifié d'universel au sens un peu postal sur un pays qui, sur l'ensemble de ses dimensions, ne permet pas de remplir les trains. Au fond, le fret, c'est assez simple. Il vous faut de la quantité. Il faut une locomotive qui traîne de préférence 30 à 40 wagons et pas 10. Et il faut des biens qui sont des biens qui ont des difficultés à circuler sur la route. C'est vrai pour des bobines chaudes dans l'acier, c'est vrai pour les produits chimiques, c'est moins vrai pour l'eau minérale, par exemple. Voilà. Et il faut aussi des industries qui ont besoin de capacités d'emport et d'évacuation importantes, avec de préférence pas du juste à temps, parce que le juste à temps, c'est des contraintes de précision et de ponctualité que le fret a du mal à atteindre. Mais j'arrête là. Moi, je pense que le fret ferroviaire a évidemment un avenir dans ce pays, mais ça nécessite que l'État poursuive ses politiques publiques d'aide. Ça, c'est indispensable pour toutes les raisons qu'on a dit précédemment, et que les politiques de pénalisation des émetteurs de carbone soient au juste niveau. C'est vrai, pourquoi est-ce que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, alors je sais bien que c'est la pression sociale, je sais bien que c'est la pression du lobby, etc., mais c'est vrai pour les poids lourds, mais c'est vrai pour l'aérien également, j'y insiste, si on rentre dans un monde qui est, et on est d'ores et déjà dans un monde où le réchauffement climatique est catastrophique, hein, il va s'aggraver encore, mais c'est pas demain, c'est tout de suite que les problèmes sont là, il faut faire payer les coûts d'émissions de carbone à l'ensemble des opérateurs au juste prix. C'est vrai pour les poids lourds, c'est vrai pour l'aérien, et ça permettra au fret ferroviaire, avec les aides d'État maintenues durables, de regagner des parts de marché. C'est mécanique. Oui, moi, en un mot, je suis très optimiste. L'évolution qu'on constate aujourd'hui sur le transport de voyageurs, si je fais juste la comparaison en quelques mots, elle est quand même frappante. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on vit depuis un an, on ne l'avait jamais vécu. Je pense que vous le vivez tous dans votre vie quotidienne, les trains sont pleins, les TGV sont très très pleins. Et s'accompagne de ça une prise de conscience non seulement de la collectivité, mais aussi du gouvernement, et qui fait que, et plus globalement, l'ensemble des collectivités, voilà, je n'ai pas besoin d'écrire ici ce qu'a apporté la régionalisation et l'évolution du TER en France, c'est parce qu'il y a une prise de conscience quand même globale de la nécessité d'aider le TER. Et si on fait une toute petite comparaison très audacieuse, pour moi, le wagon isolé, c'est le train de nuit du voyageur. On a compris que le train de nuit ne pouvait pas être rentable. Mécaniquement, le train de nuit ne peut pas être rentable. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. On vend un siège de TGV 4,5 fois par jour. Une couchette de train de nuit, par définition, on la vend qu'une seule fois. Et donc, le train de nuit est 4 fois moins rentable que le TGV. Mais pour autant, c'est un produit qu'on a décidé de développer et qui nécessite des subventions. Mais ça y est, les subventions sont là et on va développer ce produit. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le fret, et en particulier avec le wagon isolé par rapport au train entier. Je pense que le train entier a
presque naturellement, même presque sans aide, dans certains cas en tout cas, la possibilité de se développer. Ce n'est pas le cas du wagon isolé ou de ses avatars, le multi-client. Il y a besoin d'aide. Mais à partir du moment où la prise de conscience qu'on constate aujourd'hui ne va faire que se développer, parce que la situation climatique ne va pas s'arranger, moi je suis très optimiste sur... David Valence décrivait le fait que les aides, elles sont déjà promises jusqu'en 2030. Et c'est finalement dans la suite de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je suis convaincu que ça va ne faire que croître. Et donc, je pense qu'il y a un vrai avenir au fret ferroviaire dans ce pays, quelles que soient les destinations. Il y a un produit dont on parle peu, parce que vous avez comparé avec l'Italie, on n'a pas comparé avec la Suisse, mais on est aussi un pays de transit. Quand même, la France est un pays de transit. Et la Suisse interdit le transit des camions. Ils ont mis en place des autoroutes ferroviaires, nous on en est au début encore, mais on ne devrait plus avoir un camion sur les routes en transit dans quelques années. Moi, ça me semble une évidence, et on va y arriver. Mais ça nécessite des investissements considérables sur l'infrastructure, on le sait, parce qu'il faut créer des terminaux, parce qu'il faut améliorer les accès, il faut des voies dédiées, etc. Enfin, et on a pris beaucoup de retard, donc ça ne va pas être, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Alain, mais ça nécessite une politique publique qui soit une politique publique délibérée et forte. Merci pour cette conclusion. Merci à vous deux de cette audition. Je donne rendez-vous aux collègues à 15h30, je crois, pour la première audition de l'après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup.